Yo yo yo, merci à tous ceux qui nous rejoignent pour un nouveau live sur Need for Speed, pardon. Need for Speed Hot Pursuit, on va continuer l'aventure. Depuis longtemps, Charger est synonyme de performance. Presque aussi pratique qu'une berline, la Charger. Air barrage, oh c'est bon ça, ça y est on commence, on avance petit à petit dans le jeu. Allez, SCPD. déjà une, allez, casse-toi, c'est ça qu'on veut. C'est entendu, on va déployer un barrage devant vous. Allez, rapproche-toi mon pote. Yo yo yo, gun le boss, comment ça va beau gosse? Premier sur le live, ça fait plaisir, tu vois bien? Merci de nous rejoindre, frérot. Qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? Allez. Boum. À toutes les unités, 10-67 validées. Je répète, vous pouvez sortir les airs. Yo yo Noah, comment ça va? Ça va et toi le boss? Ça va tranquille. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, Gon? Barrage réussi, arrestation. Re Noah, ça va depuis tout à l'heure. Merci de passer sur le live tous les deux, ça fait plaisir les frérots. À toutes les unités, soldats en attente d'ordre sur le barrage routier. Allez, impact, c'est bon. Je confirme, le barrage routier. Tu fais rien, sérieux? Tu joues pas un petit peu jeu vidéo? Faut jouer, hein, demain c'est la reprise des cours. Tiger, mon frère! T'as changé de pseudo? Mais t'étais déjà venu avec ce pseudo-là, ça me disait quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas demandé. Non? Non, je joue pendant les vacances. Ah, donc il me semblait bien, c'est pour ça. Ouais, maintenant je t'appelle Gun le boss. Ouais, je me rappelle, tu me l'avais dit, tu jouais que pendant les vacances, toi. Ça va l'école, ça se passe, Gun? Et toi, Noah? Qu'est-ce que tu vas faire, Noah? Merci d'être passé, mon petit frérot Noah, ça fait plaisir. Malu minul. Ah, contre la montre, tout. Alors, deux secondes, je mets mon prénom. Comme tu veux, frère. Bah ouais, la patate, ouais, vas-y, prends cette voiture. Cette toute première vraie 4 places décapotable ouvre un nouveau grand chapitre de l'histoire. On s'en fout. Diwaz, le baiser de la street qui arrive en force un dimanche. Comment ça va, mon frérot? Tranquille ou quoi, frère? Merci de passer sur le live, mon frérot. Ça fait plaisir. Ça va? Bah, tant mieux alors. Ça va les cours? Pas trop galère?
Oh, moi aussi, ça va, frérot, tranquille, hein. La famille, tout le monde va bien? T'es matinal, dis donc. Ah merde. Ouais, il y a quelques semaines, t'étais passé sur un de mes lives Battlefield, je crois, Battlefield 4. Ouais, Enzo, en puissance. T'as fait plaisir, Enzo. Ah, moi, le boulot, fatigué quand même, tu vois. Mais bon, après, quand, comme je dis toujours, hein, quand t'as la thune, t'es content. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison, en fait. Que j'avoue que j'en chie quand même pour l'avoir ça. Si, si. Bah, le prochain, je suis à l'internat. Non. Ah, ça veut dire que tu rentres pas chez toi la semaine et tout. Ah, ouais. J'avoue, wesh. Ça va, c'est pas trop dur en internat, frère. Ah, ouais. Alors, Fifty, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Enzo. Ta femme, ça va? Ouais, madame, ça va. Hein. Je m'appelle Cyril, Enzo. Cyril. Ah, faut que je prenne les raccourcis, voilà. Non, je suis à 150 km. Putain, ils t'ont envoyé loin, ouais. C'est quoi ce délire? 150 km de chez toi. Ah ouais. Oh. Ouais, mais quand même. Merci Enzo, bah toi aussi t'as un joli prénom, mon frère. Ah ouais, quand même, 150 km de chez toi. Putain, c'est énorme. Ah ouais. Après, ça va, si t'as des potes. De rien, Enzo, ça fait plaisir, frérot, t'inquiète, c'est sincère en plus. Je me suis explosé les doigts en plus en atelier. Sérieux, t'as fait comment? Ça va, t'as pas trop de galère? Ah, tu pars le dimanche soir en plus? Ah ouais, ça veut dire que tu vas du dimanche au vendredi soir. Ah ouais. Ah putain, ça doit être chaud. Mais grave. J'ai like, désolé, j'ai oublié, t'inquiète, c'est pas grave, frérot. Merci pour le like, ça fait extrêmement plaisir en tout cas. C'est gentil de ta part, Enzo. T'es un BG, mon frère. Ouais, je t'ai coupé un dos, quoi. Ah, faut faire gaffe, hein, mon petit frérot. Ça marche, à tout à l'heure, Enzo. Bah, j'espère que t'as rien de grave en tout cas, Duaz. Yo, Zaroxic, comment ça va, frère? Merci de passer sur le live également, tu vas bien aujourd'hui? Waouh, le bronze, frère. Alors, la notif vient de me réveiller, j'ai le seum. Désolé, frérot. Elle est belle, celle-là. Renzo. Wesh, t'as quoi ton doigt du coup, Diwaz? Ah, désolé, la notif. Bon, la notif, ça va, ça fait 10 minutes. Puis comme ça, sortira coucher tôt pour demain être en forme. Ah, désolé de t'avoir réveillé. Zaroxic. Enlève les motifs! C'est ça, le week-end prochain, je te réveille pas!
Je vais mettre pause. Alors, mon frère m'a jeté un verre d'eau. Non, c'est vrai, je suis dégueulasse, ton frère. Bah oui, c'est sûr, je vais le faire payer une coupure assez profonde. T'as été à l'hôpital et tout? C'est normal que j'ai pas reçu la notif. Bah, techniquement, non, mais bon, après, je pense que c'est YouTube qui bug. Hein. Et toi, Zaroxic, du coup, tu nous racontes quoi, frère? Ça a été ta semaine? Pas trop galère? Cette course fait petit un BG, c'est vous les BG mon frère. Non, ça va, moi tranquille, juste 7 évals dans la 7 évals dans la même journée. Putain, c'est quoi ces profs? Ouais, c'est agression là, faut porter plainte. Putain, 7 évals mon frère. Toi aussi t'es un... vous êtes tous des BG mon frère Enzo. Tu joues à quoi en ce moment quand t'as le temps de jouer, Zaroxic? Et toi Enzo, ça va, les profs ils sont pas trop sévères avec toi? Putain, 7 évals! Ah ouais, oh, c'est chaud! Ouais, c'est chaud, frère, 7 évals quand même! Quoi, dans 7 matières différentes, ils t'ont donné 7 évals comme ça? Putain, les enculés! Ouais, c'est pas bien! Alors Warzone en ce moment, je tryhard de Warzone. Ça va, tu te plais sur ce jeu? J'ai de la chance parce que j'ai vu 50 en live, j'ai voulu lui faire un petit coucou. Oui, 7 matières différentes. Ah ouais, quand même. Merci Enzo, c'est gentil mon frérot, t'es un BG frère. Ça fait plaisir, ça me touche Enzo. Ça va, du coup c'était pas trop galère, Zaroxic, les évals. Mes profs ils saoulent un peu. Tu m'étonnes. Ah, je te comprends. Oh, vas-y, si j'arrive pas, je passe les mêmes. Ah, c'est obligé, je suis pas mal. Warzone, c'est un peu comme Fortnite, hein. C'est ça? Ah, bon courage pour ton Eva le vendredi, Enzo.
Bon, t'inquiète, c'est normal, Enzo. Ouais, Mohamed et Amaury qui arrivent tous les deux en même temps, ça fait plaisir, ça va les fils? Comment vous allez, mes fistons? Finalement, je suis venu live aujourd'hui. Ça va la forme? T'inquiète, Amaury, y a pas de problème, fils. Ça va, vous avez bien dormi? La forme? Ouais, bon. Tranquille, et toi? Bah, moi ça va toujours, je te remercie, Mohamed. Qu'est-ce que tu vas faire de beau? Et Madame Pifier, elle va bien également, c'est gentil de le demander. Ouais, mon petit frérot dit de poule, comment il va, mon frérot de cœur? Merci pour Madame Pifier, c'est gentil de penser à elle en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, tranquille, et toi, papa? Bah, moi ça va, Mouri. Qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui, fils? Premier modo, bah ouais. Deadpool, toujours actif en tant que modo, ça fait plaisir. Moi ça va toujours, mon frérot de cœur, Deadpool. Qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui, frérot? Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, d'être venu nous faire un petit coucou, hein, c'est gentil de votre part, comme toujours. Ah, Madame Pifty, c'est comme si c'était toi. Alors voilà, c'est difficile notre maman briser, préférée. Il n'en fait qu'à votre tête. Next. Elle est pas mal, ça, la Mohamed. Elle est bonne. C'est gentil, Mohamed, c'est gentil. Et toi, alors, Amaury, tu vas faire quoi? Ah, ta mère, elle va en Turquie pendant 5 jours. Ah ouais. Ça va, elle se met bien, ta maman. Tranquille, quoi. Sera tranquille, normalement elle sera plus là. Ah ouais, carrément, je serai tranquille, quoi. Ouais, Julien, comment il va, mon frérot? Merci de passer sur le live, j'espère que tu vas bien. Bien dormi, la forme? J'ai pas l'or. Alors ouais, ça va tranquille. Et toi? Je viens de me réveiller. Bah moi ça va toujours, mon frérot Deadpool. Merci de le demander. Julien, pardon. J'étais en train de lire le message de Deadpool en même temps. Merci de le demander, frérot. Ça fait plaise. Ça va, hier ça a été la soirée? Vous avez fait quoi de beau? Moi ça va, la forme. Je comptais pas venir, mais je me suis dit bon allez, faire un petit live quand même sur Need for Speed.
Puis après, je vais aller sur FIFA 22, grâce au frérot Actu. Enfin, un petit live FIFA 22, je vais y aller vers 13h, je pense. 13h jusqu'à 4h. Nickel. Et toi, Mohamed, tu vas faire quoi aujourd'hui, fils? Et Amaury, t'es toujours là, Amaury? Quoi, t'es toujours pas déménagé, mon frérot? Petite poule. T'avais pas dit que tu déménageais, déjà? Toutes nos armes ont été neutralisées. Les missions les communiquent. Ah, le Raptor, il n'a pas pris le raccourci cette fois-ci. IEM activé, acquisition et verrouillage de la cible. Négatif, nous en sommes en service, il utilise un brouilleur. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. Allez, ça dégage. Alors hier, c'était pour faire un petit ménage. Ah, ok, je comprends mieux. Et toi, mon frère Julien, alors? Ça a fait quoi hier soir, frérot? Shelby GT500, c'est ça qu'on veut. T'as fait du sauver le monde? Ah, vous avez été sur Fortnite? Du coup, tu t'es mis à Fortnite, mon frère. Vorsprung durch Technik, l'avance par la technologie. Kilomètres, ah ouais, c'est des ouf. Merci, mon frère, de qualité de poids là. Non, Nadine.
Oh, je suis blasé. Tu vas faire quoi aujourd'hui, mon frérot Julien, et toi, Deadpool? Vous allez faire quoi, les frérots? Vous allez sur quel jeu, là? Vas-y, Raptaille. La FIFA 22, je sais même pas quand je vais l'avoir. Peut-être à mon anniv. J'y vais cet après, moi, sur FIFA 22, frérot. Je fais juste un peu de Need for Speed. Histoire d'avancer un peu mon jeu, t'as vu? C'est pas ce que tu vas faire, frère. Hein? C'est pas lui qui gère. On commence Assassin's Creed Valhalla, frérot. Non, je rigole. Moi, je suis deck, j'étais presque à la fin en plus, j'ai pas pu le finir. Quoi, tu vas le refaire sur PC? Après, je comprends que tu as envie de leur faire des gommes aussi. Non, j'ai pas pris les raccourcis depuis tout à l'heure. Sur PC, il sera mieux. Ouais, bah déjà, la qualité d'image, elle va être top. Franchement, ouais, je pense que ça va être propre et tout. Alors, j'ai encore des jeux qui sont pas encore dans le carton, et même la console. Après, moi, j'hésite à prendre le PC parce que j'étais assis sur PC, frérot Julien, on va se faire défoncer par les modeurs et tout, là. S'il n'y a pas de session sur invite, on est dans la merde. Et si c'est des trucs en session publique, oh, laisse tomber, frère. C'est pour ça que j'hésite, je crois, je sais pas si je vais vraiment sur Play 5 ou PC, en fait. Tu vas geeker comme un ouf, mon frère Deadpool. Wesh, leur voiture elle bombarde, frère, laisse tomber toi. Wouah. Ouais, mais au début, ouais, mais ça prend quoi? Allez, 3-4 mois, il y en aura déjà, frérot. C'est sûr, même. Ouais, bah, de toute façon, ouais, quoi qu'il arrive, il y en aura quand même, un jour ou l'autre. Tu dois, toi, aller affronter les modeurs. C'est pour ça, là, ma femme, elle m'a fait penser, elle a pas tort, hein. Acheter un PC gamer pour plus avoir d'abonnement et tout, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on aura après sur les autres jeux? Quand tu vas aller sur Call of Duty, GTA 5, tous les trucs en ligne, tu vas te faire massacrer, frère, si je joue clavier et tout.
Bon après ouais, à force de voir qu'il y a des gens qui vont tous sur PC et puis sur Play, ils vont faire l'abonnement, il sera plus long aussi. Ah ouais. Je relis vos messages juste après les frérots. On va au deuxième rataille. Alors du coup, non au début il n'y aura pas, donc ça je l'avais vu, tu pourrais jouer avec une manette de PS4 aussi. Ouais c'est ce que je compte faire mon frérot de cœur Deadpool. Alors aujourd'hui, je me mets bien, je vais manger une raclette. Bah nous, normalement, on va manger pizza. Pouh. Bon appétit en avance également, mon frérot Julien. J'avoue qu'une bonne petite raclette. Pouh. Non. Ouais. C'est vrai. Bien sûr que ça me dit mama. De rien mon frérot de cœur. De Julien, bon c'est le même. Bon alors du coup j'ai quoi là? Des barrages et des IEM. Ok. Putain, deux IEM, putain vous êtes des radins les gars. Ouais du coup je sais pas, j'hésite aussi à partir sur PC en fait. J'avoue qu'ils vont me casser la tête les modeurs et tout là. En tout cas on voit qu'il n'y a plus de GTA 5 hein. Putain. La commu elle part en cacahuète. Cacahuète. Mais bah, grave. Ça se voit trop, tout le temps que j'ai arrêté GTA 5, il n'y a pratiquement plus de personne. T'as même mon live hier, wesh. 111. C'est quoi ça? Et après on me demande d'aller sur GTA 5, mais MDR. Grave. Moi je suis toujours là, 50. Attention, une ERT a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. C'est entendu, on va déployer un barrage devant vous. Le barrage signale un D50, tout le monde sur place. Oh le coup, je lui ai mis. Impact. IEM activé, acquisition. Air se signaler. Ah
Allez. Et allez, boum dans tes dents, mon frère. Alors moi, je pars sur PC juste pour les jeux qu'on n'a pas sur Play. Ouais, ça c'est pas faux non plus. Ouais. Surtout que bah les jeux, c'est vrai qu'ils sont moins chers. Après, tu payes plus l'abonnement en ligne puisqu'il n'y en a pas. Et les jeux sont moins chers. C'est difficile en fait. Mais bon, acheter un PC, frère. Voilà quoi. PC avec une tour, t'en as pour 700 à 1002 quoi. Voilà, BM cash. BM direct, frère. Ouh, elle défonce comme ça en plus. Allez, c'est parti. Ah, moi je veux trop ces GTA 6 là. Ouais, j'en ai marre de l'attendre. Oh. Wouah. Mais est-ce qu'ils vont peut-être pas mettre le. Ouais, c'est cher en vrai. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir que je commence à mettre de côté si je la veux vraiment. À fond. C'est sûrement un rodéo. Je vais essayer de les remonter. Ouais, parce que là, si après ils me renouvellent pas. Décembre, ça y est, j'ai plus deux avis. Central demandant permission d'utiliser une R. Oups. Affirmatif. L'utilisation des R est validée. Vous voyez ce que je vois? Ce type est sur le point de faire. On va neutraliser sa voiture. Affirmatif. Oh, c'est quoi cette BM qui avance pas là? T'as raptaille. Wesh, Corbeil Anthony! Comment ça va, frérot? Merci de passer sur le live. Ouah, tu vas bien? Ça fait plaisir de te revoir. Accident du suspect, je répète, accident du suspect. Hop là, petit barrage esquivé, tranquille. Attention, une R. Allez. Dans tes dents. Chez. Dans tes chicots. Déploiement d'une R, je répète, déploiement d'une R. Le suspect, c'est de sortir la route. C'est un peu le but, tu me diras, non? Mais barrez-vous! Bah ouais! Merci Anthony, ça fait plaisir, frérot. Moi aussi, je vous kiffe, hein. Pas croire, les frérots. 13 km. Ah ouais, j'avais pas vu. AVP, je répète, AVP. À toutes les unités, le barrage a été forcé. Je répète, barrage forcé, suspect en fuite. T'es sur quel jeu, Anthony, en ce moment, frérot? Non! Le suspect conduit de façon agressive. Ah, ma R, ça leur servira à rien. La cible a évité la casse. Ah, mais je le vois, hein. Détection d'un signal de verrouillage IEM. Essayez de lui échapper. Boum! Véhicule HS. Non, il m'a mis d'air dans la tronche. Non. Je le vois. Ouh, une BMM 3. Ah, les raptailles. Je prends plusieurs voitures en chasse. Le suspect vient de nous percuter. Il y a une
service. IEM en service. Voilà, la AS va partir ralentir le suspect. Alors, GTA, j'ai besoin de toi pour une préparation du doc tuné de mon braquage. La mission, c'est le code de la chambre forte. Je suis plus sur GTA 5 pour l'instant, Anthony. J'y retourne peut-être le week-end prochain. C'est pas sûr. Wesh Mohamed, j'ai rien à faire. Oh ma bagnole. Bon bah dégâts critiques. Bagnole, elle est morte. Ah, c'est le seum. Et c'est quoi que t'arrives pas à faire, Anthony, sur GTA 5? Le suspect sera contre. Oh putain, il m'a niqué le ratage. Ah, c'est le seum. Alors j'arrive dans 10 minutes. Ça marche, mon fils. Pas de problème. Ah, IEM niveau 2, c'est bon ça. Même à l'arrêt, la XK semble déjà en mouvement. Elle dégage une énergie immense grâce à sa... On s'en fout. Alors, la mission du directeur avec la Porsche bleue sans se faire repérer, hein? C'est quoi cette mission? Ah, tu parles des petites missions dans le QG auto. Je suis au contact des pilotes. Tu me semer. Alors je reviens, je vais allumer ma cheminée. Ça marche, mon frérot Julien. A tout à l'heure, frère. Centrale demandant permission d'utiliser une ER. Affirmatif. L'utilisation des ER est validée. Lâche-la ta R, Switch. Bon allez, comme par hasard, je me la prends cash. Bon allez, mes fesses, ouais. Ouais, c'est, mais je la connais pas cette mission, Anthony, puisque je suis plus sur GTA 5 là depuis presque un mois, t'as vu.
Donc je la connais pas du tout la mission en fait, c'est pour ça que ça me disait rien. Je l'ai pas encore faite cette mission, beau gosse. Sûrement dimanche prochain, je viendrai sur GTA 5. Une voiture vient de me doubler à pleine vitesse. Je vais essayer de la rattraper. Vas-y, à tout à l'heure, Mohamed. Bonne course, fils. Ici la police de Fingerstown, arrêtez-vous. Centrale demandant permission d'utiliser une R. Affirmatif. L'utilisation des R, c'est validé. De rien, mon fils, ça fait plaisir. Ok, le suspect conduit de façon agressive. Centrale demandant un barrage routier. Je vais regrouper les unités sur votre route. Ne changez pas de direction. À toutes les unités, les astres de barrage routier attendent les instructions. De rien, Anthony, t'inquiète, frérot, c'est normal. Hein. À toutes les unités, le barrage a échoué. Je répète, il a échoué. Attention, une herse a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. Laissez-moi vider la herse. Putain, Raptaï! Wesh, le brocoli, ça fait plaisir de te revoir, comment ça va, beau gosse? Merci de passer sur le live! Eh, ça fait plaisir de te revoir, tu vas bien? Le suspect survit, j'ai subi des dégâts. Ah, j'ai pas pris de raccourci. Merci de passer sur le live, en tout cas, les gars, c'est cool. Bah non, mais c'est pas cool ça. Bah moi ça va super, le brocoli, qu'est-ce que tu nous racontes depuis tout ce temps? Je vais essayer de ralentir. Unité au contact, faites très attention. Le suspect vient de me percuter. Le suspect roule maintenant sur le quartier de South Bay. Cette année, le brevet ou... Il faut une autre voiture, on a perdu une unité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te consacres à tes études cette année. J'essaie d'arrêter une voiture en très grand excès de vitesse. Ça va, tu te sens motivé? Le suspect essaie de me sortir de la route. À toutes les unités, le barrage a été forcé. Je répète, barrage forcé, suspect en fuite. Le suspect roule vers l'ancien tunnel ferroviaire. Grave motivé, ça fait plaisir. Et les jeux vidéo, tu joues quand même encore un petit peu ou pas? Ah, ça fait plaisir de te revoir, le beau colis de ma mère. C'est cool, hein. Le suspect conduit de
Non, devant la ligne d'arrivée. Tout ça à cause d'une erreur, ça la con. AVP sur ma position. Je demande les urgences en code 3. IEM en service. Le suspect se bat contre son interpellation. Non. Ah, alors ouais, je joue à Watch Dogs Légion. Ah, je l'ai fait, celui-là, il pète. Ah, le Watch Dogs Légion, ouais, j'ai kiffé de ouf. Ça va, t'aimes bien, toi? Et il pète, hein. Franchement, c'est un bon petit jeu, le Watch Dogs Légion. En plus, tu peux recruter des membres et tout dans ta team. Ça, c'est bien, ça. Que dans les autres, tu pouvais pas, c'était qu'un joueur. Enfin, t'avais qu'un personnage, plutôt. Ouais, moi je vais essayer aussi, c'est d'avoir le Watch Dogs 2. Je l'ai pas encore fait, le Watch Dogs 2. Tu as joué à la trilogie le 1, 2, 3, Brocoli? Après, le Watch Dogs Légion, je sais pas si c'est pas un dérivé en fait, tu vois. Parce que techniquement, quand c'est. Genre, tu sais, bah, comme Watch Dogs 3, ça serait marqué dessus. Donc je pense pas que c'est le 3 Watch Dogs Légion. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être sortir un nouveau Watch Dogs. Ça serait bien. Vient de me doubler. Je suggère de mobiliser quelques unités. Monsieur, veuillez vous arrêter immédiatement, je répète, arrêtez-vous. Central demande permission d'utiliser une ER. Vous voyez ce que je vois là? Ce type est sur le point de faire beaucoup de dégâts. Négatif pour l'arrêt, la voiture roule toujours. Allez, lâche la terre. Déploiement d'une herse, je répète, déploiement d'une herse. Le suspect a hissé la herse, je répète. Le suspect conduit de façon extrêmement dangereuse. Il faut arrêter ça tout de suite. Le suspect a percuté le barrage. Toutes les unités en position pour l'arrêter. Je répète, en position. Non, vas-y. AVP, je répète, AVP. Ah, c'est une blague. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. Le suspect se bat contre son interpellation. Ça fait plaisir d'être passé sur le live, en plus la petite family, ça marche le brocoli, ça m'a fait plaisir de te revoir également. Merci d'avoir repensé à moi beau gosse, bon courage pour la semaine qui arrive hein. Et au plaisir de te revoir. Ciao le brocoli. La poursuite continue en dehors de la route vers le tunnel en construction. Le suspect conduit de façon agressive. Oh non, c'est une blague au moment que j'arrive à les rattraper. La voiture suspecte a subi beaucoup de dégâts. Ça sent la fin. Ouais, bon. Repéré, j'utilise la manière forte. Arrêtez-vous,
Nous demandons permission d'utiliser une herse. Affirmatif. Utilisation des... Le suspect se rend contre son interpellation. Déploiement d'une herse. Je répète, déploiement d'une herse. Centrale, demandons un barrage routier. Je vais regrouper les unités sur votre route. Ne changez pas de direction. Oh. Collision, je confirme, le véhicule suspect a une collision. T'as cru me la faire comme ça sans cocaïne, ça va pas ou quoi? Ah vas-y, c'est quoi cette poisse, la vie de ma mère. Starfall là. Ah la vie de ma mère. Vas-y, vas-y, dégage avec ton tire, toi. Casse-toi. Sale pas bon là. Oui, c'est ça qu'on veut, 50. Le suspect roule maintenant sur le sentier de South Bay. Bon, je l'ai mis en point, allez, dans ta face. Allez. Attention, une putain, la herse, elle est très bien. Rataille. Oh le barrage! Allez, c'est pas fini, on peut le faire. Hein. Tiens, il me reste 5 km. Vient de me percuter. Et dégage toi aussi. Allez, ça dégage. Non, lâche-moi, 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 lâche-moi. Dégage, wesh. Hey, tu veux quoi? J'y suis, je veux contact. Il va me mettre une herse, je le sens. Je le savais, je le savais. À toutes les unités, vous pouvez neutraliser la voiture. Vous voyez ce que je vois? Ce type est sur le point de faire beaucoup de dégâts. Partons! Tu veux quoi? Allez, boum! C'est ça qu'on veut!
Putain, je comprends pas que les gens ils aiment pas Need for Speed. C'est une tuerie, wesh. Trois nouvelles récompenses, ça qu'on veut. Chauffard 2 niveau 5. Tu fous ma gueule ou quoi? Hertz niveau 2. Ah, donc elle est plus grande. Hudson Tech. Des technologies d'avant-garde pour la rechange automobile. Voici la déchiqueteuse. Cet appareil de deuxième génération crève les pneus toujours plus efficacement, à monter sur le coffre arrière. 50% plus large, 30% plus longue, aucune pièce mobile. Déploiement effectué en moins de 5 secondes. Ah ouais, oh, oh, c'est beau ça. Et c'est quoi la nouvelle bagnole? Une Dodge. Bon, ça va. Ah ouais, si, elle est belle. C'est bon ça. Qui c'est qui est sur le live, les frérots? Ouais, charge des gamers. Comment ça va, beau gosse? Tranquille ou quoi? Putain, on a débloqué des nouvelles là. Putain, j'en ai la blinde, wesh. Ouh, l'Audi TT. Vas-y, hein. Ah non, il y a une Porsche, wesh. Bah ouais, on va prendre la Porsche. Cash. Ça va, le petit frérot HD Gamer. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, beau gosse? Alors, bien, je peux te passer, je peux te poser une question. Vas-y, pose ta question, beau gosse. Non! Bah si. Alors, comment tu fais la miniature quand tu lances un live? Faut le faire avec un PC HD Gamer. Tu fais la miniature avant de lancer. Ah, tu peux pas le faire une miniature avant de lancer un live, il faut que le live soit fini. Quoi que non, tu peux le faire aussi direct. Tu le prépares, après tu l'ajoutes sur ton live. Parce que c'est démo interdit, quoi. Ouais, c'est démo que tu utilises interdit sur ma chaîne, tu te fais de la pub depuis tout à l'heure. C'est pas moi qui te bloque, je suis en train de jouer, tu le vois pas?
Veux-tu que je te bloque tout en jouant? Bah non, mais bon, je peux pas le bloquer tout en jouant, c'est impossible. C'est le Nightbot qui te bloque. Bah tu sais, t'as une PlayStation, tu peux envoyer des messages privés. T'as Instagram, tu peux m'envoyer des messages privés, non? Non, bah à chaque fois c'est toujours la même chose, bah je demande, c'est tout. On dirait, je sais pas, vous attendez que je lance un live pour me demander sur les lives. Alors que en message privé, tu peux me le demander aussi, hein, je vais te répondre. Hein. Comme ça, personne voit tes messages et que tu es en train de te faire de la pub. Ouais, non, c'est pas grave. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Ouais, c'est ça, toujours comme d'hab. Ah non, mais c'est des comiques en fait. Pas sur les lives que pour me demander quand ils ont besoin ou quand ils vont pas bien. MDR. Non, bah ouais. C'est ça, c'est comme moi. Normal, hein. Ah ouais. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Bah trop tard, tu l'as fait. Pff, ça fuse. Bah trop tard, maintenant c'est fait, mec. J'avoue qu'elle est belle. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Wesh Dragon, ça fait plaisir de te revoir, comment tu vas beau gosse? Merci de passer sur le live, j'espère que tu as la forme. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, qu'est-ce que tu racontes? Merci d'avoir repensé à moi frérot, c'est gentil de ta part. Non. Bah ouais, t'as à peine un truc tu touches, ça y est. Ouais, Starford là, c'est quoi ça? Alors désolé de pas être sur tes lives, je tape de nuit, je suis KO. Ah, oh, tu m'étonnes frère. Ouais, je te comprends, t'inquiète. Ça va, ça se passe le boulot, la famille, tout le monde va bien, Dragon? T'inquiète, je te comprends, moi-même qui retaffe là. Je le sens, je le sens, je le sens. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Non, il n'y a pas les tirés... Ouah, vas-y, les collisions, il n'y a pas les tirés du bas. Attends, je vais te la mettre. Alors ça va nickel, merci. Et toi la famille, ça va? Ouais, moi et ma femme ça va, la maman elle va bien, le frangin il va bien, les autres je m'en tape, mais sinon ça va. Non je rigole. Ouais ça va, tranquille, merci de le demander. Hein? Non je rigole pas. Tu m'étonnes, t'es fatigué, tu travailles tout. C'est tout le temps taf de nuit ou tu fais juste les pauses Dragon? Et toi HD Gamer, l'école ça va? Les chiants pas trop beaux, les profs pardon, pas trop chiants. Et ta copine? Toujours de nuit? Ah ouais. Ah par contre tu dois être bien payé quand même. Ça va être indiscret. T'inquiète, je te demande pas hein, mais... Taf de nuit, c'est le meilleur ça. Mais après c'est vrai que physiquement ça doit être chaud. Ouais, ça doit être chaud de ouf en fait. Surtout pour ta dans la vie active, t'as vu? Ouais, tu dois être décalé à fond. C'est ça. Ah
voiture elle part en cacahuète aussi, c'est quoi ça? Wouah, Rum, c'est bon, je t'ai demandé, ça marche, le salaire c'est bon, mais sinon ça tue. Ouais, bah ouais, je me doute, ouais. Mais bon, après, tant que t'as un bon salaire et tout, c'est agréable aussi, tu vois. C'est soit que le bon salaire, soit bah tu vis normalement, quoi. J'aurais été à ta place, je pense que j'aurais pris le salaire de nuit aussi, moi. Ah, dire. Ah ouais, cash. Ah, moi, j'aurais fait comme toi aussi. Après, c'est juste pour la vie, voir ta femme, les enfants, tout ça. C'est un peu plus compliqué, quoi. Ça marche, HD Gamer, j'irai t'accepter à la fin du live. Parce que là, je me sers du téléphone, t'as vu? Ah, bon courage en tout cas, Dragon. J'espère que ça va aller pour toi. Hein. Du coup, t'as plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo alors là maintenant. Alors, ça fait combien de temps que t'es avec madame 50? Ça va, je vais sur mes 11 ans là. Non. Ça va faire 11 ans, beau gosse. Et toi, ta copine alors? T'as réussi à la séduire ou pas? Oh non, mais c'est une blague. Ouais, bon, c'est mort. Ah, trop de pénalités. Alors, grave, je dors la journée, donc la console, je joue une heure. Ah ouais, quand même. Alors, 11 ans, c'est énorme. Ouais, quand même, bah ouais. Merci, HD Gamer. Bah ouais. 11 ans au mois de juin. On vient de faire nos 10 ans et 4 ans de mariage, là. Et tu joues à quoi comme jeu quand tu as le temps, si c'est pas indiscret, Dragon? Wesh, Team. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas, Team? Bien quoi, beau gosse, merci de passer sur le live. Là, après, je vais aller sur FIFA 22, là. Grâce à mon frère Actu, là, il l'a acheté, il m'a passé son compte. Donc, je vais aller le tester, là, voir ce qu'il donne, le FIFA 22. Alors, Subnautica... Ah, t'as pris le nouveau? Non, elle m'a dit non, et maintenant, j'arrête de pécho. Bah, faut pas que ça te démotive, hein, HD Gamer. Et toi, Tim, qu'est-ce que tu me racontes de beau gosse? Ouais, c'est une Nautica, j'avais joué au premier, là, et c'est bien, mais... C'est pas mon truc, tu vois, le truc de survie. Enfin, c'est pas trop mon truc, le truc survie. Après, zombie survie, ça, pas, je trouve que c'est un peu mieux, tu vois, le style Dying Light, quoi. Ça va, tu te plais sur le Subnautica, Dragon? Alors, un jeu tranquille, pas de prise de tête. Bien, et toi, ça va, beau gosse? Bah, moi, ça va, Tim. Qu'est-ce que tu me racontes de beau, toi, beau gosse? Après, HD Gamer, t'inquiète, hein, frérot, un jour ou l'autre, tu trouveras une copine. Pas pour ça. Hein. Bah, ouais, faut laisser le temps. Rien ne sert de courir. Consacre-toi à tes études. Et un peu plus tard, à l'avenir, tu verras bien. Tu joues avec Kellyanne. Ça va, il va bien, Kellyanne, Team. Alors, je sais, mais c'est chiant de se prendre des râteaux. Bah non, c'est la vie, ça. T'inquiète pas, t'es pas le premier à t'en prendre et tu seras pas le dernier à t'en prendre. Hein. C'est rien, c'est la vie. Au moins, t'es essayé, HD Gamer. Non, bah non, faut pas retenter ta chance. T'as dit non, c'est non, ça sert à rien, je vais te dire non. Là, à part forcer, c'est tout ce que tu vas faire, t'as vu. Et les filles, elles aiment pas qu'on force, en général. Donc ça sert à rien, beau gosse. Tente avec une autre fille. Ouais, j'avoue. Elle est belle, celle-là.
Retente avec une autre fille, mais pas avec sa copine. Hein. Parce que sa copine, après, elle va lui dire, t'as vu. Et si elle te met un râteau, ça veut dire que tu vas te prendre deux râteaux par, par des meufs qui se connaissent. C'est pas très bon. Ah bah voilà. Piou, yo maïs. Alors, nouveau jeu sur PS Plus, c'est quoi les nouveaux jeux du PS Plus? Et toi, Tim, alors, tu joues à quoi comme jeu? T'es toujours sur GTA 5? Bah ouais, HD. Après, je dis ça, c'est pour toi, beau gosse, hein. T'es libre de faire ce que tu veux. Ça va, Maïs? Ouais, les nouveaux jeux, c'est Mortal Kombat 10 et je sais plus c'est quoi l'autre. Mais bon, vu qu'on y a déjà joué, c'est un peu embêtant, quoi. Vas-y, je crois que je vais faire les courses à l'arrache. Et puis c'est bon. Bah, je suis bien content pour vous, alors. C'est cool. Cette toute première vraie 4 places décapotable ouvre un nouveau grand chapitre de l'histoire du... Ça va, Maïs, toujours sur GTA 5 ou quoi? Ouais, moi je suis marié, beau gosse. Bah ouais. Alors oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, faut quitter GTA 5. Il y a GTA 6 qui va arriver là. Là, je vais sur 5 ans de mariage. Je viens de fêter nos, on vient de fêter nos 4 ans, HD Gamer. Ça fait 4 ans de mariage et 10 ans de couple. On va sur nos ans de couple et 5 ans de mariage là. C'est pour ça, faut pas vous prendre la tête, hein. Un jour ou l'autre vous y arriverez, les gars. Tranquille. Bah ouais. Bon bah bonne fête des mariés, merci, c'est gentil, hein. Je sais pas, on va avoir des rumeurs, Maïs, le mois prochain apparemment pour GTA 6, savoir quand est-ce qu'il pourrait sortir. Donc on verra bien. Vivement GTA 6! Yo killer, comment ça va? Donc je suis venu te dire coucou, je vais aller faire mes devoirs, désolé de pas rester un peu plus, je vais me faire défoncer, à la semaine prochaine, ciao, et encore, désolé, t'inquiète, c'est pas grave. Merci d'être passé nous faire un petit coucou, ça fait quand même plaisir killer, à la prochaine, bon courage pour tes devoirs, et puis bah bonne semaine à toi aussi également, hein. À la prochaine, ciao ciao. Et toi, Dragon, si t'es toujours là, tu vas te le prendre, GTA 6. S'il sort, bien sûr. Merci beaucoup, Killer. À la prochaine, frérot. Ciao, ciao. Toi aussi? Ah, bah ouais, tu m'étonnes.
Apparemment, ouais, ils disent que c'est le jeu le plus attendu, là, GTA 6. Ah, j'espère qu'ils vont mettre un mode online, hein, parce que ça, on n'a aucune certitude qu'il va mettre un mode online. Ouais, chérie, ça fait plaisir de te revoir, frérot, comment tu vas? Moi, j'attends aussi ces Resident Evil 9. Je sais pas si tu es fan des Resident Evil 9, enfin Resident Evil, pardon. Alors salut, bah, je sais pas c'est qui puisque je comprends pas très bien cette langue, mais salut, merci de passer sur le live, comment tu vas? Donc je sais pas c'est qui, mais merci quand même de passer, ça fait plaisir. Wow. Bon après je pense que ouais, t'imagines un GTA sans mode en ligne, oh, ça serait nul, tranquille dans les devoirs et toi? Bah moi dans le boulot comme d'habitude, hein, boulot, jeu, un petit peu de gaming, toujours essayer d'actualiser un max de jeux sur ma chaîne Iris, puis voilà. Hein. Alors tu te souviens pas de moi Alexandre? Bah ouais mais ça fait longtemps frère, puis là c'était pas comme ça, t'avais écrit Alexandre. Si là je me souviens maintenant. Ah oui, on parlait toujours de GTA, Alexandre, si je me souviens de toi. Ça va? Comment tu vas depuis tout ce temps? Ça fait plaisir de te revoir. Et toi Iris, tu joues à quoi comme jeu quand t'as le temps? Alors si je me rappelle bien, GTA 5 au début, il n'y avait pas de online non plus. Ouais c'est ça. Non je suis peintre en bâtiment, Iris, je travaille, je rénove des maisons, t'as vu. Bah de rien Alexandre, que quoi de neuf depuis tout ce temps beau gosse, ça se passe pour toi? Yo Toto, merci de nous rejoindre également sur le live, comment tu vas frérot? Merci Iris, ça fait plaisir. Bah ouais, info le boulot hein. Le boulot, c'est important. Pour avoir de la thune. Alors, j'ai enfin eu une PS5. Ah, c'est bien ça. Bah moi, je vais toujours bien, Toto, et toi? Qu'est-ce que tu nous racontes, frérot? J'espère que la famille va bien. Merci de passer sur le live également, c'est gentil de ta part. Hein. Ça va la semaine? Pas trop galère? Eh bah, félicitations pour ta Play 5, Alexandre. Tu as eu quoi comme jeu avec? T'as pris GTA, non? Alors, je te dis bonne journée, à la prochaine. Ça marche, HD Gamer. À la prochaine à toi aussi. Bonne journée également, et puis bah merci à toi aussi d'être passé sur le live, comme toujours, ça fait plaisir en tout cas. Hein. Merci de ne pas m'abandonner, toujours me soutenir, et je te dis à la prochaine. Alors rien et toi, je viens de me réveiller. Bah je te souhaite un bon réveil. Ça va la forme? Bah moi comme d'hab, hein, le boulot, un petit peu la play pour décompresser un peu le week-end. Pour être un peu avec vous aussi également, actualiser des jeux comme d'habitude. Et puis voilà Toto, hein. La vie continue. Alors je sais combien t'es payé je crois. Vas-y dis-moi. Combien je suis payé à ton avis? Alors GTA, Fortnite, Predator, Need for Speed, Alpha 9. Ah c'est bon ça. Non je suis pas payé 1700 €. Je serais trop content Iris, 1700. Ah non je suis pas payé. Je ne suis pas payé 1700. Ça c'est... Ah ouais j'avoue hein. Non ça c'est les... Comment dire? Non, c'est même. Non, les chefs ils sont payés plus que ça. Non, ça c'est les.
ceux qui sont qui ont un peu des, on va dire, des pros. Ça dépend l'entreprise aussi en fait. Du coup, t'as eu GTA 5, Alexandre. Bah ça va, c'est cool. Ok, mais juste le fait d'avoir un métier, c'est bien. Ouais, bah oui, ça après, peu importe le salaire, tant que j'ai un salaire, c'est ce qui compte. Salaire pour vivre mieux, faire plaisir à ma femme, puis voilà. Hein. Tu as déjà testé ta Play 5, Alexandre, ou pas, du coup? Bah, tu m'étonnes, GTA 5, bah ouais. Ah ouais, quand tu viens de l'avoir, ouais, c'est vrai que c'est bien, mais à force, tu vas voir, tu vas vite te saouler de GTA 5. Et toi, Toto, t'es sur quel jeu actuellement? Et Iris, du coup, tu joues à quoi quand t'as le temps? Alors, car le père à ma copine est peintre en bâtiment, il est payé 1700. Mais ça dépend ce qu'il fait, ça dépend ce qu'il rénove comme maison et ses diplômes, et s'il est, il est chef, tu vois. Ouais, après ça dépend si il monte sur des échafaudages et tout, tu vois, t'es mieux payé en fait. Quand tu rénoves les façades des maisons, t'es mieux payé que l'intérieur en fait. Parce qu'il y a plus de risques. GTA et Assassin's Creed Origin, je n'ai pas allumé la console. Ça te manque pas trop? Bah moi non plus, aujourd'hui je devais pas venir et puis je me suis dit ouais, allez si, allez hop, profitez un peu de la play quand même. Faut pas toujours se tuer au boulot hein. Faut un petit plaisir de temps en temps hein. Bah après comment te dire, si tu peux prendre des risques et faire attention, ça passe en fait, Iris. Mais c'est vrai que si tu as des risques dans la vie, il faut faire attention, parce que bon, t'as qu'une vie. Avoir de l'argent, c'est bien, mais si derrière t'as des accidents, je veux dire, j'ai pas envie de me péter un bras ou une jambe ou risquer de perdre la vie pour la thune quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Bah ouais. Ah, tu as Warzone, Call of Duty Warzone. Oh, je t'ai pris une play avec combien de gigas, Alexandre? Je sais pas si vous l'avez vu, le nouveau Call of là. Qui va arriver là, c'est Vanguard, je crois, c'est ça. Qui c'est qui va se le prendre, le nouveau Call of là, le mois prochain? Avec les armes de l'ancien temps, si je me souviens bien de ce que j'avais vu. Oh non! Ouais. Bah c'est comme ça toujours. Hein. Ah bah c'est ça, c'est un Call of futuriste, un Call of à l'ancien temps, un Call of futuriste, Call of à l'ancien temps. Tu vas te le prendre toi? Et je vais essayer de l'avoir grâce à mes frérots, moi aussi. Wesh Loulou, comment ça va beau gosse? Merci de passer sur le live, j'espère que tu vas bien. Bah moi je viens d'avoir FIFA 22 grâce à Actusayan, mon frérot là. Et je vais y aller dessus là après là sur FIFA 22, voir ce que ça donne. Je vais aller tester FIFA 22. De FIFA 22? C'est bon ça. T'as fait la mignotte par là dans les Speed du coup. Merci de moi. Du coup, ouais, moi aussi, je vais me le prendre. Il y a un gars comme ça. C'est de lui. C'est des mille épaules. Ah ouais, c'est pour ça. Faut faire gaffe quand même. Tu vois. Et toi, Loulou, comment ça va, beau gosse? Merci de passer sur le live. Ça fait plaisir, en tout cas. Bah, ceux qui ont FIFA 22, qui l'ont eu acheté déjà, là, si vous voulez faire des matchs amicaux avec moi, je suis partant. Ouais, je crois. Bon, oh, prends ce que t'as envie, t'inquiète. Moi, tu me prends juste ça là, le champion. Yo, micro, comment ça va, beau gosse? Merci de passer sur le live, mon pote. Ça fait plaisir, tu vas bien? Alors nickel, je vais pas rester longtemps, je dois aller faire un truc. T'inquiète Loulou, y a pas de problème. J'espère quand même que les courses se passent bien pour toi et que tu t'éclates à fond sur les jeux vidéo. Quand tu as le temps, bien sûr. Minecraft et Farming Simulator. Ah, Farming Simulator 2021, il est pas sorti, c'est le 2019. Alors, et vendredi, il y avait un cadavre dans la cave.
Ah mon pote, on descend les poubelles et on voit ça avec un voisin. C'est la police nous a dit de ne pas regarder, mais on a vu quand même. Ah t'as dû être choqué. Ouais, je t'ai vu un cadavre. Ouais, t'inquiète, Alexandre. C'est parce que j'étais pas sûr en fait, tu vois. Le karma. J'espère qu'il va être bien le nouveau Call of Duty. Hein. Ouais, du coup, je vais me le prendre. Enfin, si mes frérots ils veulent bien me passer leur compte, je vais le prendre. Alors, trop, c'est dégueulasse la vie. J'ai été traumatisé, ce pays. Tu m'étonnes. Et GTA 5, du coup, t'as arrêté GTA 5, toi, Iris? Et toi, Micro, comment ça va, Micro? Et toi Toto, ça va le boulot? Et Dragon, du coup, tu vas le prendre toi le nouveau Call of ou FIFA 22, non? Comme ça, si je pourrais savoir si je peux jouer... Ou Alexandre, Alexandre, toi aussi? Que je sache si le week-end prochain, on se fait des petites games sur FIFA 22. Yo, mon frérot de cœur yaourt, comment il va aujourd'hui, mon frère? J'espère que tu as bien dormi, merci d'être toujours présent sur les lives, ça fait plaisir. Mais non, mais non, mais non, mais non. T'es pas trop FIFA? Ah bon? Bah moi, tu sais qu'à la base, je suis pas trop FIFA non plus en fait. Jusque là, bah je sais que voilà, la commu, elle veut y jouer un peu, tu vois. Vu qu'ils aiment bien FIFA. Mais sinon, moi non plus, de base, je suis pas trop FIFA. Hein. Caillot, ça t'a fané. Tu m'étonnes. Bon, je vais relire les messages. Alors j'ai pas, j'ai seulement FIFA 21. Ça roule, merci de me l'avoir dit. On a fini hier matin les vendanges. Ah ouais, les vendanges. C'est vrai, alors ça s'est bien passé, Toto? Pas trop fatigué? Ça va super, et toi, mon frérot? Bah moi, ça va toujours, mon frérot yaourt. Je te remercie, j'espère que tu vas passer une bonne... Que tu as passé une bonne journée, bonne fin de journée hier. Caillot, ça m'a fané. Bon, c'est chiant, toujours comme toujours le même GTA. Moi aussi MDR, j'ai tout ce que je souhaite, les chaque carte et les caillots, ça paye bien. Alors je vais vous laisser mon live et bonne journée. Ça marche Loulou, passe une bonne journée à toi aussi également. Merci d'avoir pensé à nous, d'être venu nous faire un petit coucou, ça fait plaisir. Je te dis à la prochaine, peut-être, j'espère en tout cas. Passe une bonne semaine et bon. Non mais c'est pas possible. Et passe une bonne fin de journée du coup et un bon week-end et une bonne semaine également. Salut Loulou. Alors, et sur GTA, j'ai un pote qui m'a donné son compte. Ah, bah, du coup, ça va, t'es bien alors. Alors, d'ailleurs, pour 50, j'étais passé level 2 210 sur GTA. Ah, ouais, GG. Ah, GG, hein, c'est ça, mon frérot. Félicitations, mon frérot de cœur. Ça rapporte les vendanges. J'ai fait une journée l'année dernière. Je me suis dit comment. Là, il faisait ça H24, mais j'ai eu 65 euros donc je me suis mis bien. Ouais, ça va, bah ouais, c'est bien. T'avais ramassé quoi au vendange? Iris. Ah ouais, 10 millions. Ouais, ça va, Alexandre. Ouais, c'est bon ça. Yo, Zélide. Comment tu vas, Zélide? Ça fait plaisir de te revoir. Bien, quoi, de temps en temps? Merci Zélide, ça fait plaisir, c'est gentil de ta part. Ça va, ça se passe les cours, toi? Alors, merci, mais bon, le jeu, c'est bon, perso, je trouve qu'il est mort, faut pas chercher plus loin. C'est ça. Malgré que, bah, y en a, ils ne veulent pas comprendre que j'étais Il à s'agit 5 d'un exercice équilibres. d'entraînement, mais vous serez noté comme si les conditions étaient réelles.
Ah ouais mon frère, GTA 5, ça y est. Faut l'enterrer hein. Non. Désolé les gars, par contre je peux pas regarder les messages parce que dans ces courses là, il faut que j'arrive avant le... C'est une course contre la montre, mais j'ai pas le droit de toucher les rebords sinon je me prends des pénalités de seconde, tu vois. C'est un peu la galère. Ah non, c'est une blague. Ah bah ouais, 7 secondes de pénalité, c'est chaud. Et le skin iconique. Alors, Zélide. Alors, je vais pas rester longtemps, je suis à Lyon avec mon beau-père. Bah, c'est pas grave, t'inquiète. Salut Jean-Philippe, comment tu vas beau gosse? Merci de passer sur le live, j'espère que tu vas bien. Nekbot vient de me bloquer temporairement. Ouais, c'est parce que t'as parlé de YouTube. Mais t'inquiète, il te bloque pas, c'est même pas 5 secondes en fait, Zélide. En juin de l'année dernière, c'est fatigant. Ah, tu m'étonnes, Iris. Ouais, ça crève, hein, les vendanges, hein. Ah ouais, hein. Ça va Jean-Philippe, j'espère que tu vas mieux beau gosse depuis la dernière fois. Tac tac tac, bonne question. Perso, mon beau-père habite dans le 2. Bien toi. Bon, ouais, moi ça va Jean-Philippe, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Wesh, t'es une nounou frérot yaourt. Il va falloir te payer là hein. Vas-y, ça marche mon frérot de cœur. Merci d'être passé sur le live. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir une fois de plus. Profite à fond de ton dimanche. Bon courage pour t'occuper du tio de ton petit cousin. Et puis, bah, à la prochaine, mon frérot de cœur. Peut-être à cet après-midi si tu repasses sur le live. Hein. Bon, salut, je vais faire à manger. Beau gosse, ça marche Alexandre. Merci d'être passé sur le live. Ça fait plaisir également. Bon appétit en avance, passe un bon dimanche, j'ai au plaisir de te revoir et je suis bien content pour toi que t'aies eu la Play 5. Hein. Et peut-être qui sait qu'on pourra se taper des petites games ensemble sur GTA quand j'y retournerai. On demande toutes les ciao Alexandre. La situation est urgente. Bah ouais mon frère, ouais, c'est quoi ce délire? Tu fais du babysitting même le week-end. T'as les cours, tu dois faire tes devoirs, jouer un petit peu, t'occuper du tcho. Oh, c'est chaud. Oh putain. Regarde sur PS Store là. Pourquoi faire? Tu joues à The Crew 2? Ça va, tu kiffes le jeu The Crew 2, Jean-Philippe? Ah, bon courage, Zélide. J'espère que ça va aller pour toi, Zélide. Ça va, ça se passe quand même? T'arrives à apprendre pour ton métier ou pas? Le métier cuistot. Faut demander à Jean-Philippe et... Jean-Philippe. À Philippe et Tchebest. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Ah moi je vais essayer de partir sur PC je pense. Je payerai plus d'abonnement. D'abonnement Play. Ouais vas-y, c'est quoi cette bagnole? Salut Yvette, comment ça va? Merci de passer sur le live, j'espère que tu vas bien. Ça va, c'est cool ce métier de pâtissier. Ah bah je suis bien content alors s'il te plaît mon frère Zélide. Vas-y, bah ça marche mon frérot de cœur yaourt. Passe une bonne fin de journée, au plaisir de te revoir, peut-être à cet après-midi. Sinon, bah comme d'hab, on se pistera sur Insta quand j'aurai l'occasion d'y aller. Et puis bah à très bientôt, merci d'avoir repensé à moi, d'être venu me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir en tout cas mon frérot de cœur yaourt. A très bientôt frère. Frère, my frère. Ciao mon frère. Yeah, mais qui voilà?
ne serait-ce pas rembobiné. Ok, ciao, salut, merci d'être passé nous faire un petit coucou, à la prochaine, merci, salut, bon dimanche, à la revoyure. Ah non, t'as dit, oh, je reste pas, bah ciao alors. Tu dois aller chercher ta copine, tu vas en voiture. Tu vas chercher ta copine à pied. Ah non, ça fait pas ça, ça fait pas ça, frère. Bah va la chercher en vélo, je sais pas, en trottinette. En trottinette électrique. Ah, elle est belle celle-là, en trottinette électrique. Allez, monte. Une dada. Ouais, ça va, et toi? Ouais, Stukiro, comment ça va? Attends. Alors, salut Fifty, devine qui je suis. Franchement, je sais pas du tout, Yvette. Sur 3000 personnes. C'est à côté, j'y vais des fois, mais tout le temps à Sato. Ah, ça doit être chaud quand même. Iris. Alors, t'es à Confluence Zélide. Salut Fifty, devine qui je suis. Ça va, Tsukiro? Franchement, ça va être compliqué de deviner qui c'est, Yvette. Alors, attends. Qui pourrais-tu être sur 3000 personnes? J'en sais rien. Vas-y, moi je dois me tailler. Vas-y, Iris. Passe un bon dimanche à toi aussi, frérot. Merci d'être passé sur le live. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Mais du coup, bah passe un bon dimanche. Ok, mais deuxième, c'est Confluence. Mais moi je vais toujours bien, Tsukiro et toi, frérot. Ça va depuis hier? Et du coup, passe une bonne semaine, Iris. Bon courage pour les cours, frérot. À la prochaine. Nickel, je passe la soirée avec Madame Fifty, c'est le top. Comme d'hab, hein. Madame Fifty, c'est bon. Vas-y, bah ciao, mon frère Rambo. Bon, t'inquiète, quand il y a de la thune en jeu. Ok, Rambo, il te passe le bonjour. Elle a dit bonjour, tu merdeux. Ouais, bah ouais. Ouais, t'as cru que j'avais que ça à foutre de mentir ou quoi? De rien, Iris. Hein? Alors, indice, mon vrai nom commence par A. Oh, bah, c'est Aaron alors. Alexandre. Alex. Arthur. Aya Nakamura. Ouais, je sais pas trop, mais à côté de la place Bellecourt. Et toi, mon frérot Tsukiro, tu vas faire quoi de beau? Et de rien, Iris, pas de problème, mon petit frérot. Par contre, faut que j'aille au chat, là, j'ai envie de chier un coup. Non, vas-y, ciao, Rambo. Ça marche. Ouais, ouais, bah. Ouais, on se dit au week-end prochain. Alors. Ah, t'es Abdella, alors. C'est Abdella, Yvette. Il y a Rambo, il te souhaite. Bah, tu sais, si je lui dis ça, il va se dire je m'en bats les couilles en même temps. Ah ouais, alors je mange ma pizza et je vais me poser normal. Vas-y, à plus, Rambo. Et passe une bonne semaine, Rambo. Trop tard. Bah, bon appétit, mon frère Tsukiro. Tu manges une pizza quoi, frère? Moi aussi, Madame Fifty, elle va aller nous chercher des pizzas là. On demande toutes les unités, la situation est pizza. Urgente. C'est Abdallah, du coup, non? Yvette. Merde, j'ai oublié de tourner. Pizza 4 fromage. Et ouais, d'ailleurs, pourquoi tu te prends pas une pizza 4 fromage? Ah bah, on se forcera la bouffe. Ah bah ouais. Non. Ah non, mais on prendra plus jamais une pizza 4 fromage. Ça dépend les fromages qu'ils mettent. Eh non, c'est pas ça. Merde. Bah, Aaron alors. Ah, ça y est, je sais c'est qui. Ça y est, je sais c'est qui. C'est Amaury. Wow, je suis trop fort. C'est Amaury. Je suis balèze. Bah 4,
Yeah, je suis trop fort, j'ai trouvé. Bah, je suis balèze. Bon, c'est bon, ça passe. Alors, ouais, j'avoue, tu tires ou tu pointes. Désolé, alors désolé, je confonds entre les deux. Eh non, c'est pas ça, donc ok. Deadpool Flash, merci. Ok, c'est bon, merci, je vois où c'est moi. J'habite à Pardieuvillette. Ah, Maurice, c'est aussi un grand pâtissier. Vas-y, à plus, Iris. Ciao, mon frère. Merci d'avoir repensé à moi, en tout cas, d'être passé sur le live. Ça fait plaisir. Ciao, ciao, mon frérot. A plus, Iris. Quand ça c'est que t'as changé de pseudo, t'es sur le compte de ta maman, Yvette. Amoury. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Non, ça doit pas être pour ça. Bah ouais, si tu prends une 4 fromages et que tu mets des pompes de terre, c'est pas une 4 fromages, hein. Bah non, ouais. Non! Putain! Alors Zélide, est-ce que t'as trouvé une petite copine depuis tout ce temps, frérot? Matin. Et toi, Amoury, tu joues à quoi? Non, faut pas que je me prenne des pénalités. Mais non ! Ah, vas-y, c'est quoi ce virage ? Ah, what the fuck ? What the fuck, man? Ouais, vas-y, c'est bon. X. T'es toujours sur Fortnite? Alors, je suis sur l'hôtel de ma grand-mère. Ah! Ah! Wesh, Aubernos! Alors, je vous laisse. Je dois partir à plus 50. Bonne game et bon live à tous. Je t'en remercie, Dragon. Merci d'être passé sur le live. Moi, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Prends bien soin de toi, en tout cas, Dragon. Au plaisir de te revoir. Bon courage pour le boulot, surtout, c'est important. Et je te dis à la prochaine, Dragon. Merci en tout cas, une fois de plus, du geste que tu as eu envers moi. En tout cas, ça fait plaisir. Ciao, Dragon. Passe une bonne journée également. Bah, ça faisait longtemps, Vernos. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, Vernos? Tranquille ou quoi, frère? Allo, JTT. Vas-y, on va prendre l'autre JTT. Les cours, ouais, je me doute. Ça va les cours, ça se passe au Vernos. Merci d'avoir repensé à moi en tout cas, frère, ça fait plaisir. Hein. Merci de passer sur le live également, c'est cool de ta part. Yeah, Super Saiyan, comment il va le frérot? Bien quoi? Ça va mon ref? Nos hommes poursuivent une Audi TT qui roule en direction. On envoie l'hélicoptère. Compris, ok pour 1071, unité aérienne, engagez la poursuite. Mais il sert à rien l'hélicoptère, wesh. Merci, mais
impeccable. Wesh Momo, comment il va mon frère? Bien et toi beau gosse, t'as passé une bonne semaine j'espère? Ouais, toujours, moi je t'en remercie, hein, ça va. Merci de te demander frérot, et toi, ça va la semaine, ça a été Super Saiyan. Wesh Momo, comment il va mon frérot? Au revoir mon frérot Julien également. Il a subi pas mal de dégâts. Je dois y aller à toutes. Vas-y à toutes. Éclate-toi bien sur Fortnite, Amaury. À la prochaine, fils. Ça va, Julien? Tranquille depuis tout à l'heure, frérot? Bah oui et non. Elle est belle, celle-là. Le suspect a évité l'AR. Je répète, le suspect a évité l'AR. La poursuite continue. Oh, il m'a niqué, ma race, rataille. Yo Thomas, comment ça va frérot? Merci de passer sur le live également, j'espère que tu vas bien. Mais ils m'ont mis dans le mauvais sens, c'est con. Oh les trous de balles. Ouais, je me doute que les courses c'est pas ouf, mais bon, c'est important, Super Saiyan, il faut y aller. Et toi Jean-Philippe, ça va, ça se passe le boulot? C'était toujours là? Et toi Thomas, tu fais quoi frérot? Prends-les là-bas. Nous avons poursuivi une Audi TT qui roule en direction de l'est sur Lakeside. Alors t'as passé une bonne journée? Ouais, moi ça va Momo, je te remercie frérot, c'est gentil de demander. Et toi la semaine ça a été? Et du coup comme d'hab Thomas, je te remercie hein, frérot. Ça va hein. C'est quoi qui est chiant Super Saiyan? Demande d'appui aérien bien reçu, on vous envoie ça. C'est vrai, t'as pas essayé The Division 2, Thomas? Hier, tu m'as dit que t'avais téléchargé The Division 2, tu l'as pas testé? Ouais, mais bon. C'est un bien pour un mal, le Super Saiyan. Plus tard, quoi. Ouais. C'est un mal pour un bien. Quand tu auras du... Plus tard, quand tu auras un taf, tu seras content, frérot. Un taf avec de la thune. Tu pourras acheter des cadeaux à ta copine. Non, je l'abuse pas. La pluie aérienne est disponible. Ah non. Yo, fan de speeder. Et toi Momo Mafia, tu fais quoi frérot? Bah ouais que c'est vrai frère. C'est important, c'est pour votre avenir les gars. Et moi j'ai pas été à l'école et maintenant des fois je galère hein, à trouver du taf. Attends. Oh le rap d'ail. Attention, un pneu a explosé, ne vous laissez pas piéger. Moi j'étais des cadeaux, t'as craqué. Elle est pas mal celle-là. Tu dis ça maintenant parce que t'es jeune. Crois-moi, plus tard quand t'auras une copine, tu vas lui acheter des cadeaux direct. Ah, merci Toto de leur demander de partager le live. Surtout que maintenant que je suis plus sur GTA 5, c'est galère à avoir des abos. Ben bon, c'est comme ça. Hein. Tant pis. Hein. Merci Toto. Ça fait plaisir, frère. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. Il y en a apparemment, les gars, on va avoir des rumeurs pour. Comment? Le mois prochain, apparemment, on va avoir des rumeurs pour GTA 6. Une annonce, pardon, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir, Toto. Alors, il est téléchargé depuis mardi ou mercredi, sauf que tu étais pas en live. Ah, ouais, mais tu l'as testé, du coup, le jeu, Thomas. Il est bien lors de Division 2 ou pas? Ah, heureusement que j'ai des frérots comme vous là. Des frérots comme vous en or. Unité de poursuite aérienne, vous pouvez y aller. Wesh. Ah, l'avance pas, l'Audi. Waouh. Plus tard, quand t'auras une copine et que tu lui feras pas de cadeau, pas mal, les filles elles aiment bien les cadeaux, moi je te le dis. Hein. Ah ouais frère, si t'achètes pas de cadeau, elle va se dire wesh c'est une pince.
Elle va se barrer. J'y suis, je vais au contact. Bah, tu veux pas connaître sa copine. Le suspect a évité la bah, la plupart. Le suspect a évité la pas te la sentir visé, madame Pucci, wesh. Ah, dis pas que t'aimes pas non plus quand on te fait pas de cadeau. Même si tu t'en fous, ça fait toujours plaisir, non? Bah, de toute façon, tu peux pas te barrer, sinon je t'égorge. Non, je gueule. Wow! Impact! Attention, une ERT a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. Ouais, mais parce que pour l'instant, t'as pas de thune, Super Saiyan. Quand t'auras de l'argent, t'auras un salaire, tu toucheras plus de 1000 euros. T'inquiète pas, ça te dérangera pas de donner des cadeaux à ta copine. Fais-moi confiance. Les armes sont désactivées, vous devrez faire sans jusqu'à ce que tout soit. T'inquiète, frérot, wesh. C'est comme ça, hein. Je ne vois plus. Et aussi, bonjour, madame Pipti. Merci, c'est gentil de ta part de penser à madame Pipti. T'as des bonnes. Bah oui, alors Super Saiyan, les années, le collège, c'est les meilleurs. Ouais, c'est vrai, Tsukiro. C'est vrai. C'est quoi le souci du gameplay, Thomas? De quoi? Hein? Non, c'est le collège. Nos hommes poursuivent une audite. Alors oui, mais c'est la fille est là pour les cadeaux, next. Ah ouais, non, mais bah oui, bien sûr. Mais voilà, faire des petits cadeaux de temps en temps, pas tous les jours. De temps en temps, t'en fais un tous les 6 mois. Tous les 3 ans, non, je rigole. Et toi, Momo Mafia, t'es sur quel jeu, frérot? Bien compris, unité aérienne en poursuite, nous suivons le suspect. Arrête-toi! Merci Super Saiyan, c'est gentil frérot. Je te passe tous le bonjour. Ici l'hélico, impact confirmé, cible. Alors, dis bonjour à vous. Établi. Tu te sens bien, ouais. Sur les petits Suisses. Je vais essayer de l'achever. Yeah, mon frère Goku, comment tu vas aujourd'hui? Le beau gosse. Merci de passer sur le live, frérot. Tu vas bien? Disponible. Bien. Merci, Momo. Je te passe le bonjour aussi, Momo. Bonjour à toi aussi, Momo. Merci de penser à madame Pucci, c'est gentil, frérot. Ah vas-y, la vie de ma mère, wesh. C'est quoi cette voiture qui s'arrête pas là? Ah voilà. Ça va et toi, madame Pipti? Bon, nous ça va, je t'en remercie, mon frérot Goku. Merci de passer sur le live. D'ailleurs, mon frérot Goku, tu as FIFA 22 toi ou pas? Je vais y aller après dessus là. Vers 1h. 1h, 14h, peut-être avant. 13h de l'après-midi. Les gars, s'il y a quelqu'un qui a FIFA 22, j'y vais dessus. Ça marche, madame Pucci. Non, frérot, Super Saiyan, je peux pas mettre la caméra. Parce que t'as vu, si je mets la caméra, j'ai madame Pucci, elle est dans le fauteuil. Donc forcément, tout le monde voit la voir. Demande d'appui aérien bien reçu, on vous envoie ça. Eh ouais. C'est chaud. Puis ouais, puis même, tu vois, je peux pas mettre la caméra parce que des fois je fais mes crottes de nez, tu vois. Non, je rigole. Vas-y, bah, on va y aller. Hein. Est-ce que tu voudras avoir des enfants, Pipti? Bah, en fait, ouais, si je peux avoir des enfants, c'est cool. Si j'en ai pas, ça me dérange pas non plus, t'as vu. Voilà.
Disons que c'est pas... Le suspect a largué une ERS. C'est pas un truc dans mes projets pour l'instant, t'as vu. La ERS n'a pas pu ralentir le suspect. Bah si, si on peut avoir un petit mouflet, ça serait bien. Wesh, carrément. Ça te perturbe. Comment on fait ? Ouais. Je le vois, il a subi pas mal de dégâts. Attention, une ERS a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. Bah, c'est moi. Ici l'hélico, impact confirmé, cible immobile. Oh, comment je l'ai niqué le mec ! Ça coûte de l'argent. Renfort aérien prêt pour intervenir. Ah, c'est la vie. On après. Attend des ordres. Bah si, c'est la vie. Wesh. La voiture a souffert. Je tente l'arrestation. Négatif, le suspect est dans le tunnel. Ah vas-y, la vie de ma mère, y a pas moyen. Wesh Kinzel, comment ça va frérot? Alors je me retiens pour pas tout dire sur le jeu. Alors Thomas, alors pas assez de compétences, la barre de vie est trop longue pour qu'on te tue, sauf si les adversaires utilisent le minigun et le bouclier est trop cheaté. Ah ouais, carrément. Nous hommes poursuivent une champignon oignon. Ouais, c'est ça. Alors, qui me paye FIFA 22? Ça va, j'ai blindé, mal à mon bras, mais ça va. Bah, bah, ça va alors, tant mieux pour toi, Kinzel. Demande d'appui aérien bien reçu, on vous envoie ça. Si tu veux. Pour toi, si tu veux, mais pas pour moi. Après tu peux te la prendre, je mange la mienne solo. Je le vois, il a subi pas mal de dégâts. Oh ouais, puis ça. C'est un radin niveau gentil. Alors comment j'ai rencontré ma femme? Bah j'étais chez sa sœur et... Ici l'hélico, impact confirmé, cible immobile. Elle m'a vu, puis hop, elle m'a demandé si je voulais sortir avec, j'ai dit ouais. Renfort aérien prêt pour intervenir, en attente des ordres. Voilà. Tout simplement, frérot. Ça va, c'est cool alors, Kinzel, le tatouage, il te plaît. Voilà, voilà, mon frérot Super Saiyan. Attention, une ERS a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. Ici l'hélico, impact confirmé. Non. Bah ouais, tranquillou. Moi je trouve personne. Bon, ça viendra avec le temps, t'inquiète. T'es encore jeune, frérot, t'as le temps. Oh, allez, c'est bon, je l'ai niqué. Et toi, Momo Mafia, frérot, t'es une petite copine? Alors, je t'ai envoyé sur PSN. Ça roule, j'irai voir après, frérot. Oh, merci de l'avoir envoyé. Alors, quand tu as le Ubisoft Connect, il t'offre une arme méga cheatée. Ah ouais? On l'a déjà pris la blinde, celle-là. Hein? Alors, Nop. Bon, ah, t'inquiète, pareil, Momo. Crème fraîche. Bah regarde là-bas, peut-être il en a fait des nouvelles hein. Bah si. Ouais. Alors tu fais du sport en chambre? Ouais bien sûr, avec Madame Fifty la nuit. Alors sérieux, tu fais quoi chez ta soeur? Comment ça chez ta soeur? Tu sais voir maintenant. Comme ça j'ai ton avis. Tu dois partir après. Oh, vas-y, prends ce que tu veux.
Alors, je vais te parler franchement. Le Harley Quinn, il pète. Mais le Joker, par contre, c'est un petit enfant qui te l'a fait ou quoi? Ah, le Joker, j'aime pas trop, par contre. Mais l'Harley Quinn, il pète, Kinzel. Alors, tu fais quoi chez sa sœur, hein? Ah, tu faisais quoi chez sa... Ah oui, bah, je squattais avec elle et son beau-frère. Enfin, son mec, plutôt, pardon. Puis voilà, voilà, hein. Vas-y, ouais, prends celle aux fruits de mer. Ouais, oh non, la sucine, on l'a trop mangé. Nous évaluons actuellement votre temps d'intervention. Ouais, prudence chez vous. Ouais, la Bugatti. Non, le Joker, par contre, frère, bah après, c'est plus si t'as fait un Joker un petit peu enfantin, t'as vu, ça aurait été un Joker en mode Zarab, ça aurait été stylé, Kinzel. Par contre, franchement, la Harley Quinn, elle défonce. Prends une kebab. Ah non, kebab, t'as pas. Et toi, Momo, tu joues à quoi comme jeu? Eh, frérot Kinzel, tu joues à quoi quand t'as le temps? Non, 3 secondes de pénalité, what the fuck. Ah, oh, la Bugatti, mon frère, tue sa race. Non, ben ouais, les pénalités. Alors moi, je le kiffe, le Joker, comme ça. Ouais, bon, après, ouais, bah sinon tu l'aurais pas fait en même temps, t'as vu. Montre-nous ton level sur FIFA un peu. Je vais y aller après, frérot, Tsukiro. Je vais y aller après sur FIFA, t'inquiète. Donc son beau-frère, c'était ton pote ou bien? Ouais, c'est ça, en fait. Le mec à la sœur de ma femme, c'était mon pote. Et son frère aussi, tu vois. Je squattais avec le frère de Madame 50, plus bah, sa sœur et tout, tu vois. Puis après, Madame 50, elle arrivait dans ma ville. Et bah, du coup, après, on tombe amoureux, puis voilà. Hein. Ouais, Kinzel, je vais sur FIFA 22, là, après. Mais pas FIFA 21, hein, FIFA 22, frère. Là dans le FIFA 22. Ah vas-y, on se fera un match après alors. Waouh. Waouh, 5 secondes de pénalité, c'est chaud. Ah moi FIFA 22, je le prends, c'est version PS5. Ah mais donc tu l'as pas alors. Tu fais quoi comme sport? Je fais pas de sport, frérot. Je fais du vélo de temps en temps, mais là actuellement j'en fais pas parce qu'il commence à faire froid en fait. T'as vu? Il fait froid, il pleut, donc j'ai arrêté pour l'instant. Mais sinon, je fais un petit peu de vélo, je cours un peu, tu vois. Avant, je faisais du foot, la natation. Mais la natation, maintenant, il faut le pass sanitaire. Un peu de piscine, tu vois. On demande toutes les unités. Mais du coup, Kinzel, t'as le FIFA 22 ou pas? Ah ouais, quand il pleut dehors, t'as vu, même si en vélo t'as pas trop froid, te prendre la pluie c'est chiant en fait, t'as vu. Bon, c'est sympa, hein. Je gagne de 20 balles, hein. Alors, non, mais si je le prends, c'est version PS5, donc on aura... Donc on pourra pas jouer. Ah, ouais. Moi aussi, je cours. Ah, c'est bien, ça. C'est important, le sport. Pour la santé. Ah ouais, bah du coup, on pourra pas faire un match ensemble, Kinzel, si t'as pas FIFA 22.
prends les billets de 5. Tu veux mettre un billet de 10, tu veux dire? Ouais. Peu importe. Je préfère garder les billets. Mais... Ah ouais, faut pas que je me prenne. Ouah, bah ouais, j'avoue, c'est dommage Kinzel, ça aurait été cool un petit match FIFA là. Et toi mon frère Goku, tu vas venir faire quelques matchs contre moi après FIFA 22 ou pas? Alors, je me rappelle en CM1, on m'appelait Flash. Quoi, la vitesse de la lumière. Et toi Super Saiyan, tu joues à quoi comme jeu en ce moment frérot? Vas-y mon frère Goku, ben je vais essayer. Après par contre je sais pas si le FIFA 22 Play 5 qui passe sur Play 4. Techniquement je l'ai téléchargé donc ça devrait aller. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Bah paye directement par le lieu, c'est rapide. Faudra que... Alors FIFA sur PS4, il est pas ouf, il y a pas le hyper motion. On demande toutes les unités, la situation. Oh, c'est pas grave, moi c'est juste pour jouer un petit peu, t'as vu. T'es sur Rocket League Super Saiyan. Ah, t'as vraiment arrêté GTA 5 toi aussi alors. Après c'est juste pour faire quelques petites games, tu vois. Parce que j'hésite à partir sur PC Gamer maintenant en fait. Ah punaise, je regardais le message. Alors que c'est le Nightbot. Ouais, ça y est, GTA 5, même moi j'en ai. J'ai ma claque de GTA 5. Moi je veux GTA 6 là. Ils veulent pas le sortir le GTA 6. Pareil, il y a le nouveau Spider-Man là qui. Mais bon, il fut 2023 le Spider-Man 2 là. Tu l'es bousillé, t'es bon. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Ok, ma poule. Comment elle claque la Bugatti. Et c'est là mon frère Kinzel, tu l'avais joué à ce Need for Speed. Alors GTA 6 il va sortir en 3098. 5 KO c'est bon, je pars de du jeu. Tu m'étonnes. Elle était trop belle ça là mon frère Kinzel. En 4000 frérot.
Allez, boum, la médaille d'or. J'ai joué à tous les Need for Speed. T'as kiffé celui-là? Ah, moi, celui-là, je l'aime bien, le Need for Speed Hot Pursuit. Voilà. Alors, ils vont le sortir le jour que les joueurs sur les modes en ligne vont baisser. Ouais, peut-être. Yo, D2, ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas, mon frère? Merci de passer sur le live. Ouais, vas-y, du coup, après, je vais aller faire du FIFA 22. Je vais aller voir s'il est bien. Petit FIFA 22, tranquillou, quoi. Ça va, il est... moi j'aime bien ce petit FIFA, ce petit Need for Speed là. GTA 6 il va sortir sur PlayStation 468. Putain, ouais, t'imagines. Ouais, j'ai FIFA 22, je vais y aller après dessus. Mais c'est pas moi de l'acheter, c'est mon frère Actu qui m'a donné son compte. Et il l'a acheté pour moi, enfin il l'a acheté, du coup il me l'a passé, tu as vu. Alors, tu as quel âge en fait? Moi, j'ai 34 ans, beau gosse. Et toi, D2, tu l'as FIFA 22? Ouais, bah ouais, je vais faire des matchs contre vous, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude, frérot. Ah ouais, tu l'as pris cash aussi. Ça va, il est bien? Ah, merci, ça, Super Saiyan, c'est gentil. Malgré que je suis vieux. Ah, je vais sur 35 ans, là, dans 3 mois, frère. Waouh, c'est chaud. Dans 4 mois, pardon. Putain, dans 4 mois, frère, j'ai 35 balais. Sérieux, il est plus long que le FIFA 21. Ah bon? Allez, bah merci de l'info, frérot. D2, de toute façon, je vais aller voir. Et les cours, ça va? Ça se passe pour toi? T'as encore des nouvelles de Capricen? Et GTA 5, t'as carrément abandonné alors? Moi, je vais avoir l'année prochaine. Ouais, ça, je sais, mon frérot de cœur, dit de poule. Alors, c'est bientôt la fête foraine. Eh, d'ailleurs, ouais, Thomas, bien joué. Il va y avoir le jeu gratuit, là, eFootball. Il va être gratuit, celui-là, dans le free-to-play. Bien joué, celui-là, Thomas. Je m'en rappelais plus, beau gosse. J'espère qu'il va être bien. Alors oui, ça va, Capricen, je joue avec lui de temps en temps, et GTA, je joue de temps en temps avec mes potes, on fait des face-to-face. Ouais, mais pour jouer avec ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter des jeux de football, des deux, tu vois, il sera quand même pas mal. Quoi, il est déjà là dans le free-to-play? Sérieux? Vas-y, je crois que je vais le télécharger alors. Bah ça va alors si tu fais des face-to-face avec tes potes et tout. Ouais, moi je vais pas l'abandonner parce qu'il y a trop de personnes encore qui aiment GTA 5. Mais ouais, GTA 5 c'est bon quoi. Faut du nouveau maintenant. Ras-le-bol de GTA 5, frère. Bah, je suis bien content alors si Capricen il va bien, c'est cool. Et l'école, ça se passe? Pas trop de galères? Ma peur, je laisse pas passer, c'est mort. Il est passé quand même un petit enfoiré.
Allez, boum. Alors, oui, c'est ça, que la même chose sur GTA 5, tu prends pas trop de plaisir. Bah ouais, moi je trouve que ça y est, GTA 5, il a fait son temps. Surtout qu'en fait, le truc, c'est qu'ils mettent pas assez de mise à jour sur GTA 5, tu vois. C'est comme là, je vais te dire, vas-y, tous les jours, tu manges des pâtes. Au bout d'un moment, t'en as marre, faut être honnête. J'ai toujours la même chose, frérot. Je vais te dire, pendant un mois, mange que des pâtes. Vu de merde, t'en mangeras plus après. C'est déjà bien pour un jeu gratuit. Bah ouais, c'est ça, Tsukiro. Megan, ça fait même pas un an qu'ils ont commencé YouTube et ils ont plus de 500K d'abos. Tu mérites d'avoir le million. Merci, Momo, c'est gentil, mon frérot. Bon, après, tu sais, les gens, ils... tant qu'il n'y a pas de... comment te dire? Tant qu'ils ont rien à y gagner, ils s'en foutent, en fait, t'as vu? C'est comme ça, on peut pas obliger les gens. Le modèle qui a c'est pas grave. Homologuer la voiture pour différentes compétitions de sport automobile. C'est pas grave, mon frère. Mais merci quand même, Momo. Ça fait plaisir, mon frérot. C'est gentil de ta part. Ça me touche. C'est cool, cool. On s'en fout. L'important, c'est qu'il est gratuit. Et aussi, tout le monde n'a pas la même opinion. Par contre, en 2015-2016, PS, c'était mieux que FIFA. Ouais, c'est vrai, ça. Il y avait des articles qui disaient que PS, avant, c'était le top du jeu de foot, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens, ils ont baissé. Avant, ils étaient grave PS, hein. Là maintenant c'est devenu FIFA. Après ça fait toujours un jeu gratuit que je peux jouer avec vous en ligne et qu'on se fasse des matchs entre nous. Merde. Donc c'est déjà pas mal en vrai, je trouve. Surtout que comme je dis, hein, tout le monde n'a pas la... tout le monde n'a pas la chance d'acheter des jeux à 60€ et tout, t'as vu? Tu fais que là, il est gratuit, ça se prend. Non, sur GTA 5, en fait, s'il voulait vraiment faire durer son jeu, il aurait dû mettre au moins 4 mises à jour, tu vois. Tous les 4 mois, tu mets une mise à jour, mettre un nouveau truc sur GTA. Parce que là, vas-y, toujours 2 mises à jour par an, c'est pas suffisant. La preuve, sur QG Auto, là, tout le monde en a déjà marre. C'est vrai, en plus. Hein. Non, ah, l'accident de ouf. Alors, tu es chez Samsung ou iPhone? Je suis chez Samsung, frérot. Et toi? Bah en fait le truc tu vois c'est que tu peux jouer de temps en temps à GTA 5, faut être honnête. Mais on peut pas dire qu'au bout d'un moment le jeu il est pas saoulant. Frère quand même, 10 ans pratiquement le jeu. C'est trop. 10 ans toujours le même jeu, t'imagines? C'est pour ça là ce matin je parlais avec un petit là qui fait des lives, j'étais sur son live. Et c'est pareil, il me dit ouais bien joué avec moi GTA 5, je m'ennuie. Mais frère, si t'achètes un jeu pour dépendre de quelqu'un, change de jeu. Je veux dire, moi j'achète un jeu, j'attends pas que quelqu'un vienne me donner de la thune et... ou qu'il me fait des Bogdan ou je sais pas quoi. Frère, j'achète un jeu, je me démerde tout seul. Je comprends pas l'opinion des gens en fait sur GTA 5. Ils disent que le jeu il est trop dur, il est trop chiant. Mais ils jouent toujours au même jeu et ils dépendent de quelqu'un. C'est nul. Je veux dire, si j'aurais pas créé ma chaîne YouTube et que j'aurais pas donné autant de thunes sur GTA 5 pendant 2 ans, les gens auraient fait comment, mon frère? C'est pas le tout de gratter les youtubeurs comme ça et tout, ou de gratter ses potes. C'est ton jeu, faut que t'avances de toi-même. Là, demain, c'est un exemple, hein, c'est un peu débile ce que je vais dire, mais... c'est comme si que là demain au boulot tu vas te dire ouais ton pote aide-moi à faire mon boulot. Mais ton pote, ton collègue il va te dire ouais frère t'es payé à la fin du mois, tu te démerdes hein. Ah ouais. Oh putain j'ai le bronze. Non, what the fuck. Alors moi aussi je suis chez Samsung. Ça roule Momo. Alors ils pouvaient le mettre avec le PS Plus pour jouer online, mais ils ont été gentils avec nous. Plaignez pas maintenant. Si le jeu était à 80 balles comme on voulait, aller trouver l'argent. Ouais c'est vrai.
C'est vrai, Thomas. Regarde, là, moi je le vois bien, ma chaîne elle est en train de couler depuis tant que je suis plus sur GTA 5. Bah tant pis. Par contre, quand je serai sur GTA 6, faudra pas qu'on vienne me dire ah, Fifty, t'as vu, je suis user là. Hein. Vas-y, casse-toi, mec. Crash, rien à foutre maintenant que je perds des abos. De toute façon, je les perds quoi qu'il arrive, alors. C'est pas tout de venir 5 secondes et après venir me dire dans quelques mois, dans quelques années, Fifty, tu me donnes de l'argent sur GTA 6. Hein. Ça sera mort. Évidemment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bah ouais, c'est ça mon petit cool. Malheureusement, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas que GTA 5 dans la vie. Ah, moi les meilleurs jeux, franchement, il n'y a pas à dire, c'est Resident Evil, mon frère, au D2. Resident Evil, je sais pas si tu aimes bien ce jeu, ce type de jeu, mais moi je kiffe. Mais le truc dans le là, franchement, le meilleur pour moi, c'était Resident Evil 8 et le 6. Parce que le 6, t'as vu, tu changes de chapitre, il y a des boss différents, donc je trouve ça stylé. Le seul truc qui est chiant dans les Resident, c'est quand t'as trop d'énigmes. Ça, c'est casse-tête en fait. Et toi, c'est quoi le meilleur jeu pour toi? Alors, il y a des personnes qui en profitent après. Ouais, c'est ça aussi, Toto. Moi, aujourd'hui, je télécharge direct, au moins, je suis sûr qu'il reste dans la bibliothèque. Et ouais, je vais faire comme toi et je vais aller me le prendre. Thomas. Non, bah après, c'est ce que je dis, mon frérot, dit cool. Tu peux toujours jouer à GTA 5, mais tu faut changer un peu, varier un peu des jeux, tu vois. Ouais, bien sûr, Tsukiro, mon frérot, j'ai fait tous les Resident. Si tu regardes dans la playlist de ma chaîne, tu vas voir, j'ai fait pratiquement tous les Resident Evil. Y a que le 1, j'ai fait Resident Evil 0, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais le 1, je l'avais pas en fait. Moi je joue pas trop à beaucoup de jeux. Ah, ok, ça roule. Et vous, c'est quoi les vos jeux préférés pour ceux qui sont restés sur le live? Alors Resident Evil 7, c'est le seul Resident Evil que j'ai fait. Sérieux? T'as pas testé le 8? Ah, le 8 il tue. C'est la suite du 7 en fait, t'as vu. Franchement, je te le conseille, le 8 tu vas kiffer hein. Si t'as bien aimé le 7, le 8 c'est une tuerie. Franchement En plus, ils ont mis 4 boss différents. Des monstres. Bah, je te spoil pas, t'as vu. Je préfère que tu. Si jamais un de ces 4, tu peux l'avoir. Attends qu'ils soient en promo, Tsukiro. Et donc, tu préfères plus FIFA des deux. Là, je vais attendre voir avec mes frères, là, s'ils pourront me prêter leur compte. Pour le nouveau Call of Duty. J'ai regardé un petit peu la démo du nouveau Call of. Je sais pas ceux qui ont regardé. Franchement, il a l'air pas mal le nouveau Call of qui arrive. Hein. En plus, c'est à l'ancien temps, avec les armes en ancien temps, je préfère que les futuristes, moi. T'as juste joué à un jeu d'horreur? C'était quoi ton jeu d'horreur, Thomas? À toutes les unités, barrage routier droit devant. Le suspect
suspect a esquivé l'air. Je répète, le suspect a esquivé l'air. Ce sera pour la prochaine fois. Barrage réussi. Arrestation. Non, c'est pas stressant, t'inquiète. C'est pas stressant, faut... En fait, à chaque passage, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y a un truc qui va te faire sursauter, en fait, t'as vu? Et comme ça, tu contrôleras ta peur, en fait, Thomas. Ah, mais si t'as kiffé le set que Tsukiro, franchement... Après, si, je sais pas si tu as le temps de temps en temps regarder un petit peu les gameplays du, de mon Resident que j'ai fait, Resident Evil 8 ou d'un autre youtubeur, je sais pas, tu vois. Tu vas voir, hein, franchement, c'est une tuerie de Resident Evil 8, frère. Toutes les unités, nos armes sont hors d'usage, le suspect utilise un brouilleur. Ici, patrouille, arrivons sur barrage et attendons les ordres. C'est entendu, on va déployer un barrage devant vous. À 10:50 entre le pilote et le barrage routier, tout le monde sur place. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de... Ici, unité sur barrage routier, attendons les ordres. Pas de problème, mise en place d'un barrage. À toutes les unités, vous pouvez utiliser vos IEM. Je répète, feu vert pour les IEM. Le suspect a passé le barrage. Je répète, il a passé le barrage. Non. Il est toujours en fuite. Je vais relire les messages en retard, vous inquiétez pas. Vas-y, ça marche alors Assassin's Creed voilà, il tue ah ouais, carrément Sekiro. Ah ouais, il tue sa race le voilà là. Et ça marche des deux, bah écoute, je te souhaite un bon dimanche ou que tu ne puisses pas revenir, ce qui peut arriver hein. En tout cas, merci d'avoir repensé à nous, bon courage pour tes devoirs et bon dimanche et peut-être à tout à l'heure si tu viens faire un petit FIFA 22 contre moi. Ça roule des deux. Alors du coup, j'ai regardé tous les gameplays de Squeezie sur Resident Evil. Du coup, je connais déjà tout. C'est dommage. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est chiant ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Tsukiro. Putti, t'as dit t'es pas allé à l'école. C'est pas que j'ai pas été à l'école. C'est que... comment te dire. J'ai arrêté très tôt l'école en fait. Parce que moi, je travaillais déjà dans la rue. T'as vu, je faisais de la thune par-ci, par-là. Donc forcément... Quand tu gagnes de l'argent en étant jeune, t'as pas envie d'aller en cours. Tu préfères aller gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire ? Dessiné par l'équipe de Gordon Murray. Voilà, voilà, beau gosse. F1 a détenu pendant... Alors si tu veux, je peux te prêter mon compte pour que tu fasses juste une gameplay de The Division 2. Bah écoute, si tu me fais confiance, ça sera avec plaisir, Thomas. Après, t'inquiète pas, hein, de ces quatre, dès que je pourrais l'avoir, je compte le prendre The Division 2. Mais la plupart, j'avais pas la thune ou alors il était à 20 balles. Et dès qu'il sera en promo, t'inquiète, je vais me le prendre, The Division 2. Je comptais me le prendre, Thomas. Mais en tout cas, c'est très gentil de ta part, ça me touche. Alors, Momo, Mafia, il est petit là. Pourquoi tu dis ça?
Ah ouais, le Maroc. Ah ouais. Ouais, c'est pas le même Momo. Ouais, Shark bien quoi. Ça va ou quoi Shark? Ça va. Ouais, je comprends Momo, je me dis que. Je fais de beaux Shark. Tu vas faire tes devoirs. Sinon, qui sait qu'aime bien un petit peu le Need for Speed que je suis en train de jouer, les gars. Après, si vous aimez pas, c'est pas grave. Hein. Je sais pas, les gens aiment mes jeux. Hein. Merci Momo de me l'avoir dit, c'est gentil. Quoi. Ouais, moi ça va. Bah après, t'as vu là, pour l'instant, je les ai pas encore. Mais après, je vais débloquer des turbos et tout. La sensation du turbo, je vous jure les frérots, si vous avez le temps de le voir, c'est une tuerie. Pour ça, là, j'essaye de speed. Wow, j'essaie de speeder un peu là. Pour qu'il me débloque l'émission avec le turbo. La sensation du turbo, je vous jure, c'est une dinguerie le truc. Wow, j'ai le bronze. Alors Thomas, il va me le donner juste à moi. Mais Fetty, si je te prête mon compte, tu vas le donner à personne, j'espère. Ah bah non. Non, je suis pas comme ça, Thomas. Tu sais que j'ai 7 comptes. J'ai 7 comptes actuellement avec mon compte à moi. Hein. Ça me fait 7 comptes que j'ai sur ma Play. Et je les ai pas donnés aux autres. Il y a Dark, Mowgli, il y avait Lover, Julien, Actu, mon frérot Brut de Pomme, Dark Sora, Rambo. Ah ouais. Alors bon, Fifty, je te le donne aujourd'hui à 15h sur Insta. Non, t'inquiète Thomas, je préfère que tu gardes ton compte, beau gosse. Au moins, t'auras pas peur. Tu te méfieras pas de moi. Bah déjà je vais pas carotte des comptes PSN puisque avec tous mes comptes je préfère garder mon compte avec tous les jeux que j'ai dessus, t'as vu. Ah ouais. Non. Eh ben, yes. Central, le suspect vient juste de forcer le barrage. Cible immobile. Je répète, la cible est immobile. Ici patrouille à 1, arrivons sur le barrage et attendons les ordres. Bien reçu, ok. 73, un barrage est mis en place droit devant.
Ouais, je l'ai raté. Merci, arrestation. Le suspect a passé le barrage, je répète, il a passé le barrage, il est toujours en fuite. Ah, la Porsche, elle tue. La poursuite se dirige vers Three Point Road. Allez hop, on envoie l'hélicoptère. Allez mon petit hélico là, tu peux les arrêter. Allez, hop là, arrestation. Petite herse dans ses dents que je lui ai mis. Non. Oh, je me suis pris une herse. Oh les nerfs. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu là en bas à gauche, j'ai le droit des hélicos, des barrages, des herses et des IEM. Pour arrêter tous les suspects en tant que flic et tout. La herse n'a pas réussi à ralentir. Et en tant que voleur, t'as le droit aussi à des armes et tout, tu vois. C'est ça qui est bien dans ce Need for Speed. Car là, je vais lui envoyer une petite IEM. Pouf! Entendu, on va déployer un barrage devant vous. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. Le barrage signale un D50, tout le monde surpasse. Oh! Comment je l'ai niqué celui-là! Elle est belle! Allez! Non, l'IEM il a foiré. Non. Non, même pas. Allez. Allez, il m'en reste plus qu'une. Attention, une herse a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. T'inquiète. Et arrestation, nickel. Alors juste pour t'aider Pipti, pour The Division 2, pour que tu gagnes, tu gaspilles pas d'argent. Mais je te dis, c'est 109 gigas. Ah ouais. Ah ouais non, 109 gigas, ouais non je peux pas. J'ai pas assez de place Thomas. Ah ouais, 109 gigas le jeu, c'est des ouf. Alors c'est après ton avis de les frapper. Si tu restes au compte, tu seras obligé d'installer The Division 2 pour y jouer. Ouais. Ah ouais ouais, après t'es obligé d'installer Tsukiro. Ah ouais. Même si t'as le compte de tes potes, en fait t'es obligé de télécharger le jeu que, sur ta propre play, tu vois. Ah ouais non, 109 gigas c'est énorme. Bah merci quand même Thomas, en tout cas c'est gentil de vouloir m'aider en voulant me prêter ton compte. Après non, là j'aurai pas de place en fait. J'ai trop de jeux, j'ai deux Play 4 mais... Comment te dire, il y a trop de... J'ai trop de jeux en fait sur mes Play. Alors là, le jeu, j'ose même pas le supprimer. Bah tu m'étonnes. Là ce matin j'ai dû supprimer Red Dead Redemption 2 en plus moi. Pour télécharger FIFA 22, je suis blasé. Donc ça m'emmerde, ça c'est chiant quand même. En vrai il faut acheter un disque dur, mais bon c'est pareil, ça coûte cher aussi ça. 80 balles. Une alpha. Pour un giga. Un giga, 1000 gigas pardon. C'est... Je trouve ça beaucoup cher quand même. Enfin je trouve ça cher. C'est pour ça je sais pas si je vais pas partir sur PC moi en fait. Parce que c'est vrai que sur PC on paye plus l'abonnement en ligne déjà. C'est un avantage. On va déployer un barrage devant vous. C'est ça. Ouais, par contre un PC gamer, ouais, ça coûte cher.
très très cher. Moi j'ai eu des install... Alors moi j'ai eu à désinstaller Warzone pour télécharger The Last of Us 2. T'as regardé, il était à combien de Sekiro le The Last of Us 1? Comme ça, si jamais tu veux poursuivre l'aventure, t'as vu. Perso, si tu comptes le faire, le The Last of Us 1, ne fais pas le 2, frérot. Parce que tu vas, ça va te gâcher le plaisir de l'aventure, t'as vu. Surtout que c'est des jeux longs, les The Last of Us. Hein. Ouais, c'est ça, Thomas, mais c'est 80 euros, frérot. 80 balles de truc, quand même, ça fait cher. Hein. Bien reçu, ok, NIC-73. Un barrage est mis en place droit devant. J'y suis, sur la route. Unité, ouvrez l'œil. Nous armes sont en service, il utilise un brouilleur. Wesh Clément, comment ça va beau gosse? Merci de passer sur le live, tu vas bien? Les unités sont prêtes et à vous ordre pour un barrage routier. Ouais, c'est entre 80, t'en attention, as pour 80, 100 euros, comme ça. Hein. Bon. Ah ouais, c'est cher pour eux, laisse tomber. Ça coûte une blinde. Le barrage routier est en place. Notre connexion satellite est perturbée par un brouilleur. Ne perdez pas le suspect de nuit. 10-50 entre le pilote et le barrage routier. Tout le monde sur place. Oh non. Ouais, 100 euros. Bah ouais, t'en as des fois, ils sont à 100 euros. Un bon disque dur, t'en as pour ce facile 100 euros des fois. Ah ouais, mon frère. Ça coûte cher, hein. La voiture suspecte a subi beaucoup de dégâts. Ça sent la fin. Ouais, mais frère, il fait que demi-tour. Que demi-tour. Ouais, c'est ça, mot. 100 euros le truc. Et encore, un bon disque dur, t'en as... Pouh, je te dis même pas pour combien t'en as. Ouais, ça coûte trop cher, laisse tomber. C'est pour ça, les PC, c'est bien, parce que t'as déjà des gros disques durs et tout dedans. Donc c'est mieux, en fait. Un barrage est mis en place droit devant. Suspect balance Hertz. Demande renfort. Ah, mais allez. Oh, le barrage qui a servi. À toutes les unités, le barrage a échoué. Je répète, il a échoué. Nos armes sont désactivées. Le contact direct est autorisé. Soldats en attente d'ordre sur le barrage routier. Pas de problème, mise en place un barrage. Le barrage signale à 10-50. Rue Tsukiro. N'a pas pu ralentir le suspect. Attention! C'est une blague!
Ah, les pas de cargo, c'est une tuerie. Le suspect remonte maintenant sur Trebon Road. Fais encore, même avec 100 euros, tu remplis même pas ton frigo, Momo. Maintenant, de nos jours, tu vas au champ, Carrefour, ton 100 euros, tu fais rien avec. Hein. Yeah, Mohamed, mon fils. Un tacos. Ah, tacos, ça passe bien aussi, ça. Kebab mexicanos et brochette de volaille. Et toi? Ça va? Ah là, moi où j'habite, Momo, moi ça coûte une blinde. Laisse tomber, frère. Nos armes sont en service, il utilise un brouilleur. Re mon frère, de cœur, ça va yaourt. Compris, ok pour 10-71, unité aérienne, engagé la poursuite. A toutes les unités, nos armes sont en usage, le suspect utilise un brouilleur. Attention, une ERT a été mise en place dans votre zone. Soyez très prudent. Bon, eh ben moi ça va être l'heure que je mangeais aussi parce que Madame 50 vient d'arriver avec les pizzas. Waouh. Waouh, me casse les couilles. Ils vont venir te faire coucou, mon frérot de cœur yaourt. Alors Thomas, c'est qui ma califa? Pourquoi ton genou est de travers? Ah, ça par contre je sais pas. C'est chelou. Moi je suis en France, Momo. Mais toi t'habites où? Ah bon là c'est pas possible. Photo de classe. Ah ouais. Eh ouais mon pote, ça marche pas cette fois-ci. C'est entendu, on va déployer un barrage devant vous. Bien compris, unité aérienne en poursuite.
le signaler. Hein? Oh, je me suis niqué. Les unités sont prêtes et à vos ordres pour un barrage routier. Ah ouais, t'as mis du côté du sud. À toutes les unités, nos armes sont hors d'usage. Vous pouvez utiliser un brouilleur. À toutes les unités, barrage routier droit devant. Signal à 10-50, tout le monde sur place. Oh bah ouais, bah ça c'est ça. Hein. Les gens s'en tapent royalement maintenant. Toutes nos armes ont été neutralisées. Nous dévions les Je mange des pizzas que Madame Fifi elle a été achetée, mon frérot Goku. Merci, bon appétit à tous ceux qui sont sur le live, mes frérots également. Ah ouais, ça va, c'est pas cher, Momo. Merci, bon appât à vous tous. Pas de problème, mise en place d'un barrage. Le barrage signale à 10-50, tout le monde sur... Ah bah si, sur la vue de ma mère. Oh. Bon allez à la bouffe. Merci Madame Pipti. La bouffe, la bouffe, la bouffe. C'est la maroille celle-là. Hein, ça fait beau. Merci Thomas, bon appât aussi. Ouais, 5 km, ça va. C'est pas loin. Ça va.
Vas-y, à tout à l'heure, Thomas.
Bien sûr que tu peux, il fait qu'il arrive, il est au petit pipi room. Au revoir les frérots. Ah. Oh bah ça fait du bien de bien manger. À toutes les unités, soldats en attente d'ordre sur le barrage routier. À toutes les unités, barrage routier droit devant. Les armes sont désactivées, vous devrez faire sans jusqu'à ce que tout soit rétabli. Sont autorisés. Allez, boum! Oh, ouais, mon frérot de cœur, yaourt! Terminé. Oh là là. Ah non. Bah ouais, je me doute, Madame Fifty. Ça me fait plaisir que t'es sympa. Les méthodes de la police sont de plus en plus musclées. Pour lui résister, votre voiture est équipée d'un brouilleur. Lors d'une poursuite, activez cet appareil pour neutraliser les communications et toutes les armes de la police. La durée est limitée. Lorsqu'elle est active, cette arme vous indique également la position de tous les barrages mis en place par la police. Le système agit pendant quelques secondes seulement. Il doit ensuite être rechargé afin que vous puissiez l'utiliser à nouveau. Le brouilleur est très énergivore. Il n'est donc disponible que pour un nombre limité d'utilisations. Je voulais avoir le... Je voulais avoir le truc là. Merde, les turbos, mais ils me l'ont toujours pas mis. Et... Reine de l'asphalte. Je commence à attraper du bide. J'attrape du bide. Je commence à devenir. On dirait que je suis enceinte, ouais. Je suis un bide, frère. Laisse tomber. Ah, c'est chaud là. Voilà, c'est chaud là.
Alors là, j'ai un de ces bides. La vue de ma mère, tu vois mon ventre, frère, t'es choqué. Bah non, c'est pas à cause de toi, ça. C'est que je bouffe, wesh. Suspect repéré, j'utilise de manière courte. Contact établi. Non, je m'en serais douté que ça aurait été pour moi. Ma mère! Bon, bah, bon, on va décaler sur FIFA, puis après je vais aller me poser tranquille, regarder la télé. Centrale, demandons un barrage routier. Je vais recompter les unités sur votre route. Attention, une ERS a été mise en place. Allez, boum! Hola! Comment est-ce que ça? Centrale, le suspect vient de forcer le barrage. Je répète, le suspect vient de forcer le barrage. Oh, sérieux? Alfa Romeo, oh, elle tue sa mère. Je vois plusieurs voitures en excès de vitesse. Ça va très vite. Je vais les rattraper. Centrale, demandons permission d'utiliser une ERS. Affirmatif, l'utilisation des ERS est validée. Quand tu parles de ton bide. Elle est belle celle-là, Momo. Yeah. Et hop, air coincé mon pote. Oh, le brouillard il va trop vite à se remettre. C'est la page. Le suspect vient de me percuter. Oh, ça passe. Toutes les unités, le barrage a été forcé. Détection d'un signal de verrouillage IEM. Essayez de lui échapper. Pouh. Et on passe premier comme ça, bing. Ça va même pas, je suis même pas premier là, tu l'as pris le raccourci, rataille. Sale shalom. Allez. Oh, une Jaguar. Ah ouais. Oh, je te l'ai niqué d'entrée de jeu, frère. Le suspect conduit de façon agressive. Petite herse dans le virage. La cible a évité la herse. A toutes les unités. Boum. Je veux rien. Non. Putain. C'est l'acte qui est interdit. Pas les sentiments. Il refuse de s'arrêter.
activé, activation et verrouillage de la cible. Le suspect essaie de me sortir de la route. Allez, je peux passer premier. Oui, oui, oui. Dans la ligne d'arrivée. Bam. C'est ça qu'on veut. Merci mon frérot. Voilà, elle est trop belle devant la ligne, frère. Je lui niquais sa race. Allez, dégage. Merci mon frérot de cœur yaourt. Du sport en chambre, techniquement, ça nuit à ta santé, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ouais, ouais. Merci, Momo. Ça fait... Oh, oh, la voiture de ouf. Oh, elle tue grave. Apollo, français, fils de Zeus, symbolise bien sûr la victoire et la beauté masculine, mais donne aussi son nom à une incroyable sportive. Ah, frère, elle démonte sa race. Oh, elle tue de ouf. Ah, franchement, ils ont mis des super bagnoles dans ce Need for Speed. Waouh, le truc de dingue. Oh, tellement la voiture, frère. Ouh. Ah ouais. Bon appétit en retard. Des frites belges. Wow. Ah bah ça, je me doute que si t'habites en Belgique, tu vas pas aller chercher des frites en France. Oh là là, la voiture, mon frère. Merde, le raccourci, il est bourré, il est barré. Non. Bah ouais, 30 secondes pour faire ça, c'est mort. Je veux même pas avoir le bronze. Ah, c'est une honte le bronze. Tout. Bah tant mieux Momo, c'est ça qu'on veut. Faut rigoler. C'est important de bien rigoler.
Ah, vas-y, on va faire essayer. Alors, j'ai pas honte de le dire, mais bon, Futi apprendra un nouveau truc aujourd'hui aussi, MDR. Si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que... Attends, c'est parce que je suis pansexuel et la plupart des Arabes me menacent de... Ouais, j'avoue, c'est un vrai score de merde. Tu es pansexuel, c'est quoi ça, frérot? J'ai jamais entendu ça, moi. Ah ouais? Ouais, je vais en apprendre une nouvelle aujourd'hui, alors. Pour que Madame Fifiel ne connaisse pas, c'est que... Ok, ouais, ça y est, je vois ce que tu veux dire, Yo, t'as bien de me le dire là. Alors, mes 50. Alors, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi? Moi, dealer de drogue. Non, c'est. Elle est belle, celle-là. C'est à peu près comme Bi en fait. Bah, moi je dis, t'as le droit de. C'est la nature que tu aimes les hommes, les femmes, peu importe, tant que tu trouves ton bonheur, mon frérot, c'est tout ce qui compte. Rien à foutre! Non, mon frère de cœur, yaourt, non, pas du tout, ça me dérange pas, c'est ta vie, frère. Je respecte. Ça marche, madame Pipi, merci de l'info. Non! Ouais, c'est quoi ça? Non, bah non, bah non, mais non, bah faut arrêter ça, c'est quoi ce bordel là? Bah non, c'est du second degré, Tsuki. Ah, elle est belle. Elle cherche un... Bah, je te rajoute 2 euros, tu recherches un autre billet. Bah non, si on est proche. On va l'acheter du feu. On va mettre plus de chauffage. Eh, du coup, mon frérot de cœur, yaourt, non, pas du tout. Je respecte toutes les décisions des gens, ça, de toute façon, déjà de 1, ça me regarde pas. De 2... C'est la nature maintenant, hein, je dirais. Avant c'était choquant, mais plus maintenant, t'as vu. Et puis t'as le droit de t'es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Hein. Donc voilà. Non, ça me dérange pas du tout. Frérot. Et par contre, je tiens à souligner que je te félicite comme. Je te félicite d'en parler comme ça devant des gens qui ne, bah, on ne te connaît pas vraiment parce que. Faut avoir des colonnes pour oser dire ça devant des gens quand même. C'est pas facile d'avouer ça comme ça. Bon, franchement, félicitations, frère. Homophobe. Ouah! Oui, oui, oui. C'est ceux qui aiment pas les homosexuels. C'est une merde. Pourquoi tu me demandes ça, Charles? Donc tes potes, ils te disent ça, mais ils veulent pas te dire ça veut dire quoi. C'est des cons. Comme ça. Bah en fait, il y a le petit char qui est en vocal avec moi et il me dit c'est quoi homophobe?
Alors du coup je lui ai expliqué, tu vois, que ben c'est des personnes qui n'aiment pas les homosexuels. Et en fait ses potes, il dit à ses potes, bah ça veut dire quoi, parce qu'il sait pas ce que ça veut dire chouchard. Alors ses potes ils lui disent, bah t'as qu'à demander à des gens, ils sont cons quoi. Bah en vrai ouais, je pense parce qu'ils savent pas eux-mêmes. À la raison mais... Ouais bon, allez, j'ai fait un score de merde, c'est pas grave, on passe à une autre. Ah, ça se fait pas de dire ça, Tsukiro, par contre, frérot. Ça se pose pas ce genre de questions. Né de l'idée que la place des voitures de course n'est pas que sur les circuits. Plus de 20 ans d'engagement. Avec la BMW M3 coupée de 4e génération, une nouvelle dimension. Je rigole. Oh. Ouais, mais bon, quand même. Alors, je pense que c'est pas l'endroit idéal d'en parler, Tsukiro. De quoi, mon cas ? Bah, ouais. Alors, mais je connais pas, moi. Bon, après, moi, je vais décaler sur le FIFA. Ouais, 50 sur FIFA. Et apparemment, il y a déjà le PS gratuit, là, dans le free-to-play. Allez. Ouais, 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 mon frérot de cœur. Ouais, quand même. Je vais aller sur. Je vais faire un live. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mon frérot. Je vais faire un live. Ah pareil, j'ai pas envie d'être à demain, mon frère. Après c'est bien le boulot parce que t'as la thune, mais c'est long un mois pour avoir ça son oseille. Ah même moi là j'avoue pas le boulot. Place dans votre zone. Soyez très prudent. Envoyez-moi les urgences. Ouais, quand même. Après, comme ils ont dit,
j'avoue. Ouais, franchement, moi j'aime bien ce Need for Speed, frérot. Ouais, parce qu'après, y'en a, ils s'en foutent en fait, Sekiro. Puis c'est comment dire, c'est une façon de découvrir notre façon du corps humain, je pense. Ouais, je dis l'âme de Jésus, comment ça fait plaisir. Elle était pas mal, Tsukiro, ça là. Ça va, Dylan de Jésus? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bon, bah, c'est toujours pas celle-là. Bon, bah, écoutez, mes frérots, je vais décaler sur FIFA. Je vais aller sur FIFA, comme ça, je vais faire quelques petites heures de game de FIFA. Et après, je m'arrache. Voilà, voilà. Donc merci à tous ceux qui sont passés sur ce live de Need for Speed. Devoir. Ah ouais, mais t'as raison, Dylan. Faut taper dedans, mon frère. Vas-y, super, GG le live. Merci, mon frérot Yaourt. Vas-y, à tout de suite, les frérots. Je relance un live là de suite sur FIFA 22. Si jamais je peux pas lancer le live FIFA 22 et que vous voyez que dans 15-20 minutes il n'y a pas de live, c'est que je peux pas lancer parce que vu que c'est un jeu Play 5, je sais pas s'il est compatible avec PS4 en fait. Yo Hugo Sayan, merci de passer sur le live. Comment tu vas, mon pote? Du coup, ben, je vous dis à tout de suite si vous revenez sur le live de FIFA 22. Sinon, bah, passez un bon dimanche, mes frérots, et ce fut un plaisir de vous parler, de me taper des barres avec vous. Et puis, bah, passez une bonne semaine, et je vous dis au week-end prochain si jamais ça ne passe pas. Allez, à tout de suite, les frérots. Ciao, ciao, pour ceux qui ne reviennent pas. Ça marche, mon frérot de cœur, Yaourt. À tout de suite, frérot.